mystère et surtout les inégalités du destin choquent la raison. Mais la parcelle de divin qui habite notre conscience proclame hautement que l'infinie justice réserve à chacun au-delà de cette vie une égalité absolue de devenir. Mesdames, messieurs, bonjour. C'est une nouvelle journée qui démarre, une nouvelle matinée également sur DBS. Eh bien, nous sommes le lundi 11 mai de l'an de grâce 2020 et c'est bien sûr DBS Matin qui démarre en trombe encore ce jour. Vous le connaissez d'ailleurs, le principe de cette édition, pour ne pas dire cette émission. Nous avons d'abord la revue de presse, après cela la chronique, après la chronique le débat à la barre, au cœur du droit, et sans oublier bien sûr que nous allons avoir le regard de l'expert, tout cela en 2 heures de temps. Et ça se passe sur DBS. Et c'est DBS Matin. Les deux mousquetaires sont déjà sur ce plateau ce matin en forme, j'espère. On va commencer par Mangue Vernantius. Good morning, welcome. Good morning, Steve. And good morning to our viewers at home this first day of the week. Le week-end a été? It was a restful weekend, very relaxed. J'espère que ça va aller. Hein. We hope so throughout Il est the bon week. De vous réveiller. Hein? Wake up, comme on aime souvent le dire. Alain Diok, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, Steve. Je renouvelle également mes civilités à tous nos téléspectateurs de ce matin. Le week-end a été? Oui, plus ou moins. Plus ou moins, ça a été. J'ai jamais compris l'expression plus ou moins. Ou alors c'est plus ou alors c'est moins. Ça veut dire que c'était relativement bien. Non, ou c'est bien ou c'est mal. Pas bien. Il n'y a pas de juste milieu, messieurs. Puisque vous êtes là, c'est pour la revue de presse. Mesdames, messieurs, bien sûr, l'information traitée par nos confrères de la presse écrite camerounaise, africaine et surtout internationale. Tout de suite et maintenant en langue anglaise avec Mangue Vernantius. It is the beginning of another week at this 11th day of May 2020. A review of newspaper headline takes us to the Post newspaper that talks of conflicting figures of COVID-19, death, recoveries and critical cases that rock Cameroon. Health Minister announces 114 deaths, while French Council for External Trade puts Cameroon's death toll at 350 people. On page 4, the paper asks, who is lying to Cameroonians? After prison riot over COVID-19, Kondogi prison administrators begin treatment of untested inmates. And on page 7, the paper reports the shooting of the Mamfe mayor to death yesterday, Sunday, 10th of May. And the paper says he was one of the youngest mayor in the country. It is this sad story the Sun newspaper carries as their main story today, saying the youthful Mamfe mayor, Priestley Ashu Ojong, was gunned down Sunday, May 10th, on his way to his native Eshobi, allegedly by armed separatists. On page 2, the Sun newspaper announces that government and the United Nations Development Program agree to kickstart reconstruction of the Northwest and Southwest regions. And the kidnapped CDC workers, some of whom have been released, the CDC, the now estate manager, still in captivity, as the Sun newspaper tells us in their today's edition. We take the Guardian Post newspaper that opens today's edition in politics, where the Central Committee summons quarreling Santa CPDM elites. The paper says the misunderstanding had degenerated to the level of kill and take the head. The parties at loggerheads were summoned on the firm instructions of the parties scribed by the former Prime Minister Philemon Yang, who is the Northwest CPDM regional coordinator. On page 2, the paper talks of a lawsuit that hangs over the University of Boya for arbitrarily sacking Agbo Bala. Still on page 2, the paper talks of the U.S. lawmakers on Biya's throat to free detained journalists. The Star newspaper, on their part, says after termination from UB, Agbo Bala heads to court saying legal team is working on case file following his wrongful termination. UB registrar issues statement denies social media write-up attributed to him that denigrated barrister Felix Kongo Agbobala, while many say the UB vice-chancellor acted under pressure from Yaounde. In a similar case, legal counsel documents facts hit on Samuel Wazizi's case and says Nick's habeas corpus comes up on May 14th. And the paper equally informs us of the death of the president of the Far North Court of Appeal. We read all this in today's edition of the Star newspaper. The Eden newspaper has their main headline with the Agbo Bala affair asking if his Ngarbo report
is a source of his woes at the University of Boya. In the same issue, the paper says UB Vice Chancellor Professor Molua distances self from UB and Bala Imbroglio. On page 9, Bar Council demands open apology from BEAC to English speakers. And in health news, talking about this big breakthrough in coronavirus, Italy claims first COVID-19 vaccine. The Median newspaper opens today's edition on health, talking of coping with COVID-19 as the CSPH general manager hails Biya's tactful leadership, salutes presidential measures to stabilize petroleum sector, mention CSPH's 20 million contribution to COVID-19 solidarity fund, and hails gradual return of peace in Kupe Mwaninguba division, and many other issues which Okie Johnson Ndo revealed on state television last Sunday, 3rd of May. Predicting his death, Justice Aya Paul write his final judgment. We read all this in the Median newspaper. The Advocate newspaper on the Limbe Deep Sea Port says FACO elite tank Biya and organize solidarity march in Limbe, send strongly worded motion of support to the head of state. And in the West region, the paper says a female gendarme officer shoots student for not wearing a face mask. As Anglophone journalist is dying in Konangi prison, the Horizon newspaper says it is time for Biya to act on U.S. lawmakers' letter. In their inside story, the paper raises a question asking if Canal 2 Television chief executive officer will succeed late Victor Fotso as Banjun mayor today. Read on page 3 for an answer. Limbe Port Authority management should be given to Anglophones as FACO Lawyers Association demands. Then on page 12, U.S. ambassador pays glowing tribute to late Honorable Mba Ndam. Cameroon Insider newspaper on the Limbe Autonomous Port text says there is avalanche of applause across the southwest region as elites, traditional rulers, and the general population have expressed exceeding gratitude to the head of state for a move they say signal a huge socioeconomic boom for the region. The government-owned Cameroon Tribune opens today's edition with the public service saying the Minister of Public Service and Administrative Reform has just launched a series of employment opportunities to job seekers, and available offers are in the sectors of justice, post and telecommunication, journalism, agriculture, land tenure, fisheries, amongst others. Then talking of government's effort against COVID-19 following instructions from the head of state, citizens trapped in foreign countries due to lockdowns imposed by coronavirus started returning home last Saturday, May 9th, 2020. And the paper says the last set is due this Monday. We take information out of the country. The Daily Monitor in Uganda says 5 more truckers have tested for coronavirus, bringing Uganda's tally to 121. The Minister of Health said the confirmed cases are among 1,498 truckers whose samples were tested this Sunday. The new cases are 2 Ugandans and 3 Kenyan truck drivers. The Vanguard newspaper in Next Door Nigeria says 5 persons, including 2 women, have been reportedly killed in 3 separate attacks on communities in Gwer West and Guma local government areas of Benue State by suspected armed herdsmen. The Star newspaper in South Africa, we end with that newspaper, talks of mixed views as Minister Zulu said to tell South Africans millions of unemployed just who qualifies for the 350 rand relief grant. Steve, these are some of the information we could have from Cameroon and some African countries. Merci beaucoup en tout cas pour cette revue de presse en langue anglaise. On va également retenir en tout cas la une de The Sun et sans oublier bien sûr de The Post. Ce matin, Mamfe Meyor shot dead. Et sans oublier bien sûr que du côté de Santa, eh bien le RDPC est en train de s'étriper le chignon. Allons-y cette fois-ci en langue française avec Alain Diong dans la seconde partie. Commençons par le quotidien Cameroun Tribune qui nous informe que malgré la pandémie du coronavirus, la fonction publique recrute 3600 emplois donc à pourvoir. Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative vient de lancer une série de concours directs et professionnels à l'intention des chercheurs d'emploi, justice, poste, télécommunication, journalisme, cadastre, eau et forêt, agriculture, élevage sont entre autres secteurs concernés.
C'est banan la rue gronde à Bafoussam l'information du quotidien Le Messager. Le journal nous fait observer que le mouvement d'humeur fait suite à la mort d'un jeune homme victime d'un tir à bout portant dégainé par un gendarme. Le film des deux jours de violence dans le chef-lieu de la région de l'Ouest, c'est à lire dans le quotidien Le Messager de ce jour. Dans la lutte contre le Covid-19, le magazine Défi Actuel nous dit que les mesures fiscales vont coûter 114 milliards de francs CFA à l'État. Ce manque à gagner concerne justement les recettes fiscales internes à hauteur de 92 milliards de francs CFA et 22 milliards au titre des recettes douanières. Toujours pour la lutte contre le coronavirus et la vie chère, le quotidien Mutation constate que la SICAM se démasque pour avoir mis donc sur le marché des cache-nez à des prix élitistes. La coronnière industrielle du Cameroun essuie de vives critiques. L'enquête est donc à lire en page 7 du quotidien Mutation de ce jour. Le journal La Météo s'intéresse au comeback avec le RDPC que retrouve Ekindi dans le Vori. Après 30 ans d'abandon et d'infidélité, l'ex-président de section revient donc dans une circonscription aujourd'hui debout et en ordre de marche, nous dit le journal. Le quotidien L'Économie dresse des secteurs qui ne connaissent pas de crise après justement l'arrivée du Covid-19. Depuis donc le début de la pandémie, ils sont moins impactés et tirent donc mieux leur épingle du jeu. Allons tout de suite au Gabon et prenons le journal L'Union qui titre Covid-19 et maintenant. Alors que prend fin la nuit prochaine l'état d'urgence, le gouvernement, tout en maintenant le couvre-feu et de nombreuses autres restrictions, a fait adopter ce week-end par le Parlement le dispositif législatif annonciateur d'une nouvelle stratégie, laquelle, sur le plan sanitaire, se traduit déjà par la multiplication des tests de dépistage, l'isolement de certains cas et la prise en charge médicale d'autres. Au Congo, les dépêches de Brazzaville nous renseignent qu'un plan de déconfinement progressif est attendu du côté du Congo. En effet, la Coordination nationale de gestion de la pandémie du coronavirus va soumettre au gouvernement un plan global et complet donc de déconfinement progressif à compter du 16 mai prochain. À RD Congo, le courrier de Kinshasa parle justement de Félix Tshisekedi qui réconforte les malades et le personnel soignant après avoir présidé une réunion d'évaluation à mi-parcours de la riposte du Covid-19 à RD Congo. Le président a tenu donc à descendre sur le terrain afin de palper du doigt les réalités relatives à la prise en charge des malades dans quelques formations hospitalières de Kinshasa. En France, le journal Le Monde titre de confinement les incertitudes du 11 mai. Après 8 semaines de déconfinement, le pays entame très prudemment ce lundi la remise donc en route de sa vie sociale et économique. Pour le journal Libération, ce déconfinement est un retour à la normale. Après 2 mois sous cloche, une France coupée en deux s'apprête donc à reprendre graduellement ses activités. Terminons ce type ce matin avec le quotidien sportif L'Équipe qui nous informe qu'en Ligue 1, Lyon est en marche arrière en demandant à nouveau hier à faire donc marche arrière sur la décision d'arrêter définitivement la Ligue 1. Les Lyonnais tentent donc de rattraper une saison où ils ont plus reculé qu'avancé. Voilà Steve, les différents sujets traités par la presse ce matin. Faut pas oublier, c'est une saison catastrophe. Hein. On voit exactement ce que Jean-Michel Aulas cherche à faire. Hein. Pour lui, il faut encore continuer le championnat. Même si on sait pertinemment que même si on recommençait, Lyon ne sera pas troisième du championnat. En tout cas. Mais tu nous as dit qu'il faut commencer quand même pour voir, parce que c'est quand même le football. Lyon peut faire des remontées. Et vous savez que c'est un championnat à 3 points. Pourquoi pas Lyon peut c'est le deuxième tour, mais Lyon peut toujours arriver à un niveau considérable de ce championnat. S'il fallait recommencer le championnat, je pense que ce serait tout simplement pour les équipes qui sont un peu plus bas. Hein, pour leur donner également une chance de remonter. Absolument. Et surtout de ne pas rentrer en Ligue 2. En tout cas, on espère tout simplement. On sait pertinemment que du côté de l'Allemagne, la Mannschaft, ou alors la Bundesliga pourrait commencer dans les jours à venir. Mangue Vernachus, Mamfe Meyer shot dead. C'est ce que nous déclare le Sun ce matin à sa grande une. Actually, Steve, the news came up yesterday, Sunday, when they informed us that the mayor of Mamfe subdivision, he is a 34-year-old young man
who was allegedly shot dead by separatist fighters. And the paper says he was on his way to a Shobi village in the southwest region. And, you know, there has been this confrontation between the military and the armed forces in such a way that the mayor, who happened to have been one of the victims. But it's happening. There is something that I think I think the state has to take it into consideration. These elected officials in the two English regions, Steve, they are not at ease, because of late we're talking of the mayors in the Boy division, yes. Mayors in the Northwest region, who are not in their offices. They have not. In fact, they assumed function in the SDO's office. They were not in their municipalities, in the SDO's office. And after that, so many of them, in fact, all of them are living in the central town in Bamenda. None of them is in their various subdivisions. So I think if we are talking about reconstructing the Northwest region, this is another indicator to let us know that these elected officials, they cannot carry out their functions, because the war that is ongoing in the two regions is going on, especially in the Northwest region. It is very, very, at a very alarming stage where these mayors, if they cannot live in their municipalities, what about the normal citizens? Where would they live in? So, on va pas dire que justement c'est un pas normal, en tout cas de ce côté-là, il faut le préciser, parce que lorsque un maire n'est pas justement dans sa mairie, ça porte justement à confusion. Vous allez également nous dire que du côté, le Guardian Post fait savoir que le comité central du RDPC, les élites se crêpent le chignon, c'est carrément la querelle. Actually, in the Santa, c'est à Santa, Santa toujours à Bamenda. Yes, of the CPDM party, and the paper tells us that there has been this quarrel that has been going on between the Santa section president and the youth wing president of the party, and the other elite, they are talking of Jonathan. There is a problem going on in between these three leaders in such a way that it has reached a point where one does not want to see the other when it comes to the party. And so for the interest of the well-being of the party, they are telling us that the Northwest Regional Coordinator of the CPDM party, the former Prime Minister Philemon Yang, instructed the Secretary General of the party, Jean Kwete, to summon these three party elites, they call them elites, so that they can, you know, bury their hatchet and work for the interests of the party in that region, in that subsection. Because what has happened is that the opposition party, taking advantage of that quarrel that has been going on in that subsection, they want to maximize. En tout cas, faut pas oublier que dans les partis politiques, il manque pas de querelle, hein. C'est normal aussi. But the one, this one, actually, this one has been in such a way that they are forgotten about the party and they are talking about individuals in such a way that I'm out to make sure that you fall. You are out to make sure that I fall. And in the long run, it is the party that is falling. Steve. On est d'accord avec vous, hein, Mangue Vernage. Vous devez savoir que on peut être dans le même parti et ne pas s'entendre. Hein. Du parti, c'est une question personnelle. Individuelle, yes. Et je vais me tourner vers Alain Djok. Alain Djok, du côté de Bafoussam, la rue gronde à cause de cette gendarme qui a tiré d'ailleurs sur un jeune homme, justement parce qu'il ne portait pas son masque. Oui, disons que l'information. En fait, disons que l'information est du quotidien Le Messager. Le Messager, voilà. Oui. En quoi, dans le journal, il se trouve qu'il y a un gendarme qui a dû tirer sur. Une gendarmette, oui, qui a dû tirer donc sur juste pour le plaisir, à bout portant. Je crois que il faut aller justement, parce qu'on n'a pas eu le temps justement de feuilleter pour savoir de quoi il était justement question, mais il faut dire que dégainer quand même en public, ça relève quand même une certaine curiosité. Je ne sais pas ce qui s'est réellement passé. Et si on me dit que justement c'est parce qu'il y avait celui qui était en face de lui n'avait pas un masque, je trouve ça encore un peu de façon légère. Je trouve ça un peu. Je trouve pas que pour cela on peut dégainer. Moi je trouve peut-être que ça doit être une fausse manipulation, parce que il est inadmissible. Moi je ne vois pas comment est-ce que, et en ce moment précis, comment se fait-il que le gendarme, parce que nous ne sommes pas quand même à une zone qui est à risque, où le gendarme doit sortir son arme de son étui et tirer sur un jeune homme. Je crois qu'il y a quand même beaucoup de choses à se dire. Et maintenant, je crois que c'est le journal. Il ne faut pas qu'on entre justement dans les mensonges. Non, l'information fuse. L'information fuse depuis jeudi, vendredi. Mais je dis qu'il faut que les enquêtes vont déterminer. Steve, les réalités, on est quand même quelque chose de très complexe. Il ne faut pas entrer dans justement une certaine récupération. On espère avoir en tout cas la bonne information. Yes, what actually some other information that is circulating on that same issue says they picked a quarrel between the gendarme officer in question and the young student, and it appears they exchange words, but there is something that we need to know.
I think these military officers, gendarmes, police, they pass through a certain kind of training formation in which you are trained to, you know, to handle, to control your emotions. It's not because somebody says anything and you remove an arm. Justement, vous devez justement vous contrôler. Je pense qu'on leur a appris ça à l'école, hein, à l'école de l'armée, je pense, concrètement. Et parlons également du RDPC qui retrouve d'ailleurs Ekindi qui fait un comeback extraordinaire. Et on nous dit que dans le Vouri, tout marche pour l'instant pour le RDPC. Oui, absolument. C'est justement la météo qui, Dieudonné, qui révèle cette information aujourd'hui. Vous savez que depuis la semaine dernière, Jean-Jacques Ekindi a décidé justement de... Non, le 30 avril dernier, il faut le préciser. De refaire dans ce combat-là. Et justement, le journal révèle aujourd'hui que c'est l'ancien, notons que c'est... Il était sur notre plateau la semaine dernière, oui, justement. C'est un ancien, je crois qu'il était président de section. Maintenant, il retrouve quand même son parti depuis plus de 30 ans d'infidélité. Et donc, c'est un retour pour le RDPC qui est un bon retour. Maintenant, le journal, parce que c'est le choix des mots. Le journal 30 ans d'infidélité, oui. C'est quand même bizarre. Hein. Vous avez dit 30 ans d'infidélité. C'est bizarre. Mais vous en plus, le journal précise que, disons que la session est en ordre de bataille. C'est-à-dire que si maintenant, ça voudrait dire... Dans un autre cas, quand on pousse l'analyse, que justement, si Ekindi arrive, il faut que lui également essaye d'entrer dans ce moule-là pour ne pas, on ne veut pas trouver encore des querelles, justement. Donc, je crois que pour moi, la politique est aussi comme ça. Il y a des imprévus, il y a aussi des intérêts qui sont là. Donc, on ne peut pas reprocher à quelqu'un de retrouver la maison où il était. Et aujourd'hui, je crois qu'il est le seul à savoir pourquoi il rallie justement les rangs du RDPC. On l'espère en tout cas. On va également dire à nos téléspectateurs que ce lundi 11 mai de l'an de grâce 2020, on commence à parler de déconfinement du côté de la France et sûrement des enfants qui doivent retrouver l'école ce matin, même si quelque part, il faut le dire, certains maires des grandes villes du côté de la France ont demandé justement à repousser cette date pour le 17 mai, pour ne pas dire le 17 juin prochain. Messieurs, je vous dis merci d'avoir été des nôtres ce matin pour cette revue de presse. L'information justement traitée par nos confrères de la presse à la maison, que nous allons justement recevoir également sur ce studio tout à l'heure comme expert Amidou Mohamadou, lui qui a justement trouvé un remède contre le Covid-19. C'est le troisième en tout cas au Cameroun à l'avoir trouvé. On va pas oublier justement le docteur Nyanini qui a également trouvé un remède contre le coronavirus, sans oublier bien sûr, hein, Monseigneur l'archevêque qui a également trouvé un autre remède. En tout cas, il est dans ce studio, dans un instant, on va le recevoir. Mais tout de suite et maintenant, nous allons déjà accueillir nos amis pour le débat. À ma gauche ce matin, Albert Anatole Aïssi, le seul directeur de publication avec la note des 3A. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Steve, je suis là. Je salue mes compagnons que vous aurez le plaisir de présenter tout à l'heure aux téléspectateurs. Je salue tous les téléspectateurs de la télévision DBS, principalement ceux-là qui nous regardent au cadre de cette tribune DBS matin. Mon coup de gueule ce matin, bien évidemment, ça concerne les journées de propriété qui sont organisées sur tout le terrain national. J'ai constaté avec beaucoup de désarroi que les jours de propriété, malheureusement, les boutiques sont fermées et ça rouvre à partir de 10h, 11h. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je pense que dans son format actuel, il faut véritablement changer de logiciel parce qu'il ne sert à rien de fermer les boutiques. Et puis, le marché reste sale. Le marché reste sale. Donc, je pense qu'il s'agit d'une problématique qui relève de la responsabilité des chefs de terre, comme on le dit prosaïquement, c'est-à-dire les sous-préfets. Donc, en collaboration avec les chefs de quartier et les chefs de bloc. Je pense que l'idéal, à mon sens, consistait, n'est-ce pas, soit à demander aux commerçants d'ouvrir leur boutique, et pendant que leurs boutiques sont ouvertes, que chacun fasse la propriété devant sa boutique, ou alors, on arrive à 7h, on fait la propriété et à 10h, on ouvre les boutiques et le marché. Bon, si c'est ce format qui va demeurer, j'ai le sentiment que ça va être contre-productif. Et je comprends pourquoi c'est contre-productif, parce qu'il s'agit d'un filon qui ne donne pas l'argent. Un filon qui ne donne pas l'argent. En tout cas, merci pour votre coup de gueule ce matin. C'est toujours bien de noter parfois certains détails. À ma droite, Eric Pépin-Mikaï, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, bonjour Steve, bonjour à l'ensemble de mes copanelistes et à nos milliers de téléspectateurs. J'envoie un bonjour particulier aux populations de l'extrême nord.
qui nous suivent religieusement, qui suivent religieusement cette émission, notamment au docteur Wassou Félix de l'Université de Maroua. Je pense que là, ça fait un gombo. En tout cas, bon début de semaine à vous. Merci. Je vous souhaite en tout cas de vous avoir sur mon plateau. Et il y a également ce matin, il faut le dire comme ça, Patient Pafendom, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour à Pépin et une fois de plus mes condoléances. Bonjour à Anatole, ouais, le Nkoukouma qui est de notre plateau depuis un certain temps. C'est une très bonne chose. Alors moi je vais commencer aussi, bon, je vais m'introduire par ce coup de gueule. Le chef de l'État a pris des mesures pour essayer de soulager un certain nombre d'opérateurs économiques et n'a pas oublié les petits commerçants. Alors, du côté de l'arrondissement de la 3e, la mairie de Lokbaba, les gens sont étonnés de voir que les éléments de la mairie font des descentes et commencent à demander aux gens de payer des sommes faramineuses qui ne correspondent en rien à, par rapport à ce qu'ils payaient avant. J'ai donné un exemple d'une jeune callboxeuse qui est une fan de DBS qui m'a interpellé et Cassie, et elle m'a donné des documents que je vais mettre à votre disposition. Je les ai oubliés ce matin. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que, un, les agents de la commune lui expliquent qu'eux, ils ne font pas partie des gens qui devaient, comment dire ça, profiter de cette décision, n'est-ce pas, de chef d'État pour permettre, n'est-ce pas, à ces gagnants petits de souffler aussi par rapport à cette pandémie. On leur a dit en montrant les tests que ça concerne les petits détaillants, les Bayam Selam, mais vous pensez qu'une femme qui a un petit club box, peut-être qu'elle gagne même moins qu'une vendeuse au détail qu'on appelle vulgairement les Bayam Selam, premièrement. Deuxièmement, elle avait l'habitude de payer, c'est comment vous appelez ça, OTPP, je ne sais pas. L'occupation temporaire de la voie publique. De la voie publique, la somme de 18 000 francs et poussière. Par an. Avec l'exécutif communal entre les mains de SIF. Le RDPC arrive au pouvoir et cette somme passe à plus de 33 000 francs. Alors, je crois que là, il y a un gros problème. On leur explique que non, le SIF n'appliquait pas très bien la mesure ou bien les règles qui étaient en vigueur. Alors, ils se posent la question. Et cette dame-là, Cassie, je cite son nom, pour ceux qui sont des RDPC de la 3e, ils vont reconnaître qui c'est. Ils savent très bien que c'est une famille de RDPC. Alors les gens se posent la question, mais nous, on a voté pour vous, pour que la vie devienne encore plus dure pour nous, premièrement. Deuxièmement, c'est quoi cette application en géométrie variable des décisions du chef de l'État pour essayer de soulager, n'est-ce pas, ces gagnants petits qui vraiment cravassent dur pour pouvoir s'en sortir à la fin du mois. Donc, au niveau de la commune de Douala 3e, le nouvel exécutif et son édile, je crois que le moment est arrivé pour que... C'est très sérieux la problématique que soulève Patient Dom, parce qu'il existe une loi avec son décret d'application relativement à la collecte de la taxe, des taxes communales. Voilà. Donc il faut que si elle n'a pas ce document-là, je peux le lui fournir parce que c'est bien clair là-dessus. Maintenant, l'autre point de cette problématique, ça concerne la pause fiscale, puisque concerne seulement la collecte des taxes fiscales qui va connaître une pause jusqu'au mois de juin. Donc, à ce moment, mars, je crois, jusqu'au mois de juin. Donc, actuellement, les éléments qui sont envoyés sur le terrain sont des éléments de la fraude. La première chose qu'elle devrait faire, si jamais, en tout cas, n'est pas la seule concernée, et devoir d'abord exiger l'ordre de mission ou l'ordre de service. Ça, c'est un élément essentiel. Mais à côté de ça, il faut ajouter si c'est que Madame Cassie se rend compte qu'elle a... Cassie se rend compte qu'elle paie les impôts de manière exagérée par rapport à ce qu'elle a à contribuer. Elle peut tout simplement se rapprocher auprès des services compétents de la mairie. Je pense, en termes de collecte des impôts, c'est le 4e adjoint au maire de la commune de la 3e qui s'occupe de cette... Non, c'est le 3e adjoint. C'est le 4e adjoint, c'est Madame Essola, qui est ma voisine. Bonjour. Ce qui est évident, c'est que ces plaintes reviennent... Sont de manière récurrente. Ces dernières semaines-ci, et pour la plupart, pour ceux qui sont assez altruistes, quand ils se rapprochent, ils se rendent compte que ceux qui sont sur le terrain sont dans une supercherie. Donc il y a une sorte
sorte de mafia qui est organisée sur le terrain avec l'entremise des agents de la commune de la 3e. Fort certainement, le maire est pour pas, c'est un gentleman, il n'est pas au courant de ça. Et vivement qu'il prenne le taureau par le corne, il essaie un peu de mettre sur pied des mécanismes. Il devrait normalement être au courant. C'est un dossier que je refile en atoll. Et je pense que tout à l'heure, nous allons faire justement un tour à la mairie de la 3e pour prendre des informations. Pour le moment, il n'a pas encore la maîtrise de sa commune. Il faudrait qu'il hâte le pas pour que la commune de la 3e devienne cette commune-là que tous les cas. Non, il ne peut pas quand même lui accorder cette période de glace. Ce n'est pas le sujet de ce matin. Les éléments du terrain nous le prouvent. Ce n'est pas le sujet de ce matin. Je pense que j'ai le numéro de téléphone du maire Ipupa. Il est d'ailleurs très accessible, ne vous inquiétez pas. Je pense que je vais l'avoir au téléphone dans un instant, juste après cette émission, pour lui poser justement la question. Mais le sujet qui nous intéresse, messieurs, puisqu'on parle de l'African Rise Up, l'Afrique comptait jusqu'à hier, 10 mai, de l'an de grâce 2020, 61 181 cas confirmés de Covid-19, eh bien le Covid-19 a déjà coûté la vie à 2239 personnes sur le continent africain, selon le Centre pour la prévention et le contrôle des maladies de l'Union africaine. L'Afrique du Sud et l'Égypte sont les deux pays les plus touchés, avec respectivement 9420 cas et 8964 cas suivent d'ailleurs, il faut le dire comme ça, le Maroc, l'Algérie, le Ghana, le Nigeria, le Cameroun et surtout la Guinée-Conakry. Eh bien, le continent ne compte que 1,4% des cas de Covid-19. Cela explique notamment sa faible insertion dans les réseaux internationaux et par la jeunesse de sa population, écrit d'ailleurs le quotidien Le Monde dans son édition du 5 mai dernier. L'afro-alarmisme n'a-t-il pas été excessif? Messieurs, je vous pose la question. Je commence par Patient Parfum d'Homme ce matin. D'ailleurs, continue de croiser les doigts. On continue à croiser les doigts, monsieur, parce que vous inquiétez surtout pas. Cette histoire, quand on voit les chiffres dans un pays comme la France, l'Espagne, les États-Unis, vraiment, les gens qui dorment. Il y a encore quelques temps, quelques semaines, hein, les États-Unis se moquaient entièrement et totalement de l'Iran. Voilà. Et maintenant, ce sont les plus touchés. Donc, nous continuons de croiser les doigts, mais surtout, il faut réinsister sur les mesures barrières. Il faut réinsister là-dessus. Surtout depuis qu'on a assoupli les règles de confinement, on a l'impression qu'il y a des gens qui se laissent aller et on voit de plus en plus de gens qui se baladent sans masque, il y a des gens qui ne se lavent pas les mains, il y a des gens qui sont dans des activités où ils sont en contact de manière permanente avec d'autres personnes et qui ne se gênent pas de ne pas se protéger. Je crois que c'est l'occasion pour nous de leur rappeler de faire attention. Il faut avoir son masque, il ne faut pas sortir sans son masque, il faut se laver régulièrement les mains. Bon, ceux qui ont la possibilité d'avoir le liquide hydroalcoolique, il faut aussi. Et surtout, à nos enfants. Il faut parler à nos enfants qui aussi, on a l'impression que pour eux, maintenant la vie redevient à la normale. Ils montent, ils descendent, ils jouent partout, ils se frottent à tout le monde. Sans aucune protection possible, il faut dire que cette vérole tue. Donc, il faut faire attention et s'en tenir à ça, en espérant que le tsunami annoncé, évidemment, ne va pas frapper l'Afrique dans toute... Justement, parlant de ce tsunami, est-ce que ce qu'ils disaient n'était pas assez excessif? Non, je crois qu'ils ont, un certain nombre d'outils de calcul, qui sont des calculs mathématiques, sur la base d'un certain nombre d'arguments statistiques. Ils se disent, si pour tel pays, avec tel nombre de... avec une population de... avoisinante comme ça, on a eu tel camp. Donc, ils font des projections. Oui. Donc, c'est cette projection qu'ils ont fait au niveau de l'Afrique, mais ils l'ont amplifié. Pourquoi? Parce que, ils voient très bien que sur le plan sanitaire, on n'a pas les infrastructures à niveau, ni quantitativement, ni qualitativement, premièrement. Et deuxièmement, ils savent très bien que, et ça a été démontré, que les couches dans les pays où cette maladie est en train de faire des dégâts pas possibles, ce sont les couches les plus vulnérables. Et les plus vulnérables veut dire aussi les plus pauvres. Et plus on est plus pauvre, plus on est plus vulnérable, c'est-à-dire qu'on n'a pas accès à son médecin, on n'a pas accès aux soins de qualité, mais surtout, on a tendance à faire des petits boulots qui sont des boulots de service, donc des boulots de contact avec d'autres personnes. Donc, on est exposé, en fait. Donc, ils ont estimé que, bon, de toute façon, en Afrique, ça va être une catastrophe. Mais n'ont pas tenu compte des éléments que nous avons développés sur ce plateau. Ces éléments, c'est quoi? C'est l'environnement dans lequel nous baignons. Mais nous vivons pratiquement avec nos rats et nos cafards, excusez-moi le terme. Nous vivons avec les poussières, pas possible.
Nous mangeons bio pour l'instant. J'étais accompagné mon jeune frère Denma Apiti. Vous voyez, la nature. La nature, on mange bio, on mange tout ce qui était bio. Mais surtout notre, on a bien mangé d'ailleurs. Notre nourriture avec tous nos dolins, et je le dis souvent en rigolant, avec nos bongos, avec les homies, tous ces ingrédients qui sont des écorces, qui sont des tas de trucs, ce sont en réalité des médicaments que nous prenons pour muscler notre immunité naturelle. Donc, eux, ils n'ont pas tout ça. On a aussi le soleil, on a parlé de la mélanine, c'est un débat peut-être qu'il faudra qu'on fasse un jour. Dans les jours qui viennent, ne vous inquiétez pas. Pour bien démontrer en quoi cette peau noire-là nous protège de beaucoup de choses. Mais il a aussi démontré que ce virus, à l'air libre, à une certaine température, ne résiste pas. À plus de 35 degrés, 40, 45 avec degrés. Avec la chaleur de ces derniers jours, on peut comprendre. Elle ne peut pas résister. Donc, je pense qu'il y a cet ensemble de choses et peut-être le faible taux quand même de l'imbrication de l'Afrique dans ce qu'ils appellent le commerce mondial. Parce que vous savez quand même que la grosse contamination est venue des airs. Tout le monde le sait aujourd'hui. La grosse contamination est venue des airs, ce sont nos frères qui étaient en mission à l'étranger, ou bien d'autres et qui avaient dit que, bon, de toute façon, puisque... On pense aujourd'hui que toutes ces personnes qui ont ramené justement le Covid-19 sur le continent africain étaient montées. Non, moi, je ne suis pas complotiste, mais j'analyse les faits. Et je me rends compte que le gros de la Pourquoi les avoir d'ailleurs laissé voyager? Mais ce sont des Camerounais, ce sont des Africains. Vous ne pouvez pas les empêcher de venir chez vous. Mais si cette information s'est avérée, j'avais eu dire que Air France avait fait chuter depuis du billet d'avion. Oui. Alors que la maladie était en train de faire des ravages. Justement, voilà pourquoi j'insiste sur ça. Pour que les gens puissent venir ici rapidement. Vous faites dans le Paris, c'est 6 heures par exemple, mais vous mettez dans le même espace plus de 7 heures. Vous respirez le même air. Vous avez les mêmes hôtesses qui touchent tout le monde, qui servent tout le monde, etc. etc. C'est un lieu par excellence d'une contamination à grande échelle avec une vitesse fulgurante. Donc, je pense qu'il y a cet ensemble d'éléments donc, qui n'ont pas été pris en compte, qui continuent de nous protéger. Nous avons aussi peut-être une immunité collective, sans qu'on le dise, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été malades dans nos familles, des malades bizarres, des grippes bizarres, des palus bizarres. Mais comme je le dis toujours, nous avons un patrimoine immunité terrible. Nous sommes passés par des catastrophes. On ne sait pas comment on a fait pour s'en sortir. Vous vous souvenez de Marteau? En tout cas, vous vous souvenez de ce palu qu'on appelait Bakassi? Oui. Tout des quoi ça? Qu'est-ce qu'on n'a pas eu? Mais nous sommes sortis vainqueurs, n'est-ce pas, de ces épreuves? Les Kamnogo. Les Kamnogo, tout ça. Donc, je crois que ça je vous rappelle que vraiment... tout ça sonne énorme, que c'est vous-même qui les donniez. Hein. Ah oui, à l'époque, l'OMS ne regardait pas l'Afrique. Voilà. On pouvait mourir tranquillement. Mais... De quoi ça? Et on a trouvé dans notre pharmacopée traditionnelle des recettes et des solutions pour nous sortir de tous ces dangers-là. Pour faire rire d'ailleurs un autre téléspectateur, il ne faut pas également oublier que quand on avait le Kwasa Kwasa, alors le Kamnogo, il y avait la pierre jaune. Hein. Voilà. Messieurs, restons sur le sujet. Les scénarios catastrophes spéculant justement sur l'effet déstabilisateur du Covid-19 en Afrique n'ont-ils pas été un peu hâtifs, Eric Pepin Bikay? Il faut dire que dans notre contexte africain, la maladie s'est déconstruite autour des stéréotypes. Peut-être ça a été également une arme utilisée par les Africains dès le début. On disait, justement, parfait, revenir sur ces éléments tout à l'heure, la température, le fait que c'est une maladie purement asiatique et accessoirement occidentale. Et puis, il y a l'environnement. On a généralement des climats sales, c'est-à-dire des climats qui mutent d'une saison à une autre. Pour le cas du Cameroun, par exemple, nous avons à peu près 4 saisons. Une grande, une petite en ce qui concerne la saison pluvieuse. Une grande, une petite en ce qui concerne la saison sèche. Et à chaque fois, il y a ce qu'on appelle une transition climatique qui s'accompagne généralement dans notre environnement des petites grippes, des petits palus pour ceux qui ont des environnements qui ne s'adaptent pas au milieu. Et on constate, donc, par exemple, qu'on quitte d'une zone climatique à une autre. Il faut un temps d'acclimatation. Donc, ça va s'accompagner forcément avec un secousse du corps. Tous ces éléments réunis ensemble font en sorte qu'on est capable, on a été capable peut-être de pouvoir juguler la propagation de cette maladie sur le plan environnemental. Mais n'oubliez pas également les us et coutumes. Parfait de le rappeler tout à l'heure. Le fait que on mangeait bio et puis on mangeait dans les environnements salons vivants avec les cafards généralement. C'est le docteur Pergnium de l'université de Liège, cardiologue, qui le disait justement, c'est que c'est une sorte de développement d'un système immunitaire collectif. Parce qu'il ne faut pas oublier que à peu près 7% des Africains n'aiment pas manger dans les endroits huppés. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas digestes. Ils aiment plutôt consommer dans les endroits bruyants, sales. Là, c'est plus conviviable. Mais nous ne sommes pas sales par nature, attention. Non, ce n'est pas. Quand il dit ben, sale. Et puis les endroits quand même dans lesquels on mange, on voit des endroits, il ne faut pas le dire, non, aussi sales. Non, c'est pas. En fait, vous comprenez l'expression que j'utilise. Hein? Je parle des endroits hyper aménagés, c'est-à-dire des grands restaurants. Ouais. Les Africains n'aiment pas manger dans les grands restaurants, préfèrent plutôt manger dans les tourne-d'eau.
c'est plus familial, c'est plus convivial. C'est pas des endroits sales, sales comme je sentais dire, mais les endroits bien aménagés avec climatiseur, pour la plupart des Africains, c'est pas leur dada. Ils aiment bien manger là. Ne vous inquiétez pas, je suis allé à Bonandio, je me suis rendu compte que le meilleur quartier avec le tourne-dos à Bonandio. Voilà. Donc, c'est pour un peu. C'était épatant. On peut donc expliquer ça. Donc, ça veut dire que quoi? La riposte a été forcément basée sur cette stéréotype-là. Ajouté au fait que la maladie a progressé parce que, comme Parfait l'expliquait tout à l'heure, transportée par ceux qui ont voyagé. Et là, quel qu'en soit le cas, on peut être complotiste. Puisque quoi, l'OMS a édité un certain nombre de mesures barrières qui ont été transposées facilement vers des pays du Sud. Ce que nous récitons là, masques, tout ça. Et puis, à côté de ça, on avait édité les masques chirurgicaux. Or, notre confort financier ne nous permettait pas d'avoir des masques chirurgicaux. On a développé une sorte de résilience pour développer les masques au niveau local, avec la cotonnade locale. Et ça donne ce que ça donne aujourd'hui. Les Camerounais peuvent avoir des masques à prix de 100 francs, 200. Mais nous sommes toujours étonnés que lorsque l'exécutif municipal descend sur le terrain pour faire les sensibilisations et distribuer les masques, ça attire le monde. Parce que je ne comprends pas comment un masque de 200 peut attirer le monde comme c'était une star qui était de passage et qui voulait recevoir, c'est pas trop, les salutations ou les autographes de la population. C'est toujours curieux de savoir le degré de population dans lequel, dans lequel nous sommes plongés. Mais pour dire également que les mécanismes de riposte également ont été faits sur le prisme, notamment d'un certain nombre de la pharmacopée locale. Les écoles, tout le monde s'y est mis pour avoir un peu un excès de chloroquine. Et les citrons ont disparu sur le marché. Voilà. Donc tout le monde voulait tout ce qui est amer, donc que ça doit être stocké dans son organisme en termes d'enzymes de défense de l'organisme. Peut-être ça a également été ça. Mais jusqu'à présent, il ne faut pas qu'on croit que nous sommes sortis de l'auberge. La maladie est là, elle progresse. Et même jusqu'à hier, on parlait de l'un de vos confrères qui a rendu l'âme, à savoir Simon Meyanga, à qui je salue la mémoire sur ce plateau. Et selon les spéculations, on parle d'un décès de suite de COVID-19 parce qu'immédiatement, il a été enterré dans son village natal. Donc, pour dire que nous ne sommes toujours pas satisfaits des mesures de riposte. Je l'ai dit sur ce plateau il y a quelques semaines, nous avons fait des erreurs en termes de confinement, en termes de localisation géospatiale, des structures de traitement de la maladie. Nous avons essayé un peu de mélanger la maladie, les centres de traitement à l'intérieur des anciens centres qui étaient déjà débordés. Aujourd'hui, les hôpitaux tels que la Quintini, qui est l'un des hôpitaux les plus fréquentés d'Afrique centrale, souffre du fait que son taux de fréquentation a diminué de manière drastique. On parle de près de 45 à 50% de taux de fréquentation. Du fait que Les hôpitaux en souffrent aujourd'hui de fréquentation. Voilà, il faut également oublier que l'hôpital du lycée de Lobaba aussi est dans le même problème. 40%. Cette psychose s'est installée parce que les gens se sont rendus compte que le COVID-19 était traité à la Quintine. Et du coup, la Quintine n'est plus un lieu où on peut sauver la vie. Pour eux, il faut essayer de se battre au quartier pour essayer. En fait, l'automédication également a pris le coup par rapport à ces réponses. Donc, voilà un ensemble d'éléments sur lesquels on peut s'appuyer pour comprendre les stratégies de riposte de la maladie en Afrique. Mais la maladie est toujours là et continue à sévir. Et il faut toujours faire attention. Messieurs, Albert Anatola, ici, plus de 12 semaines après son apparition sur le continent africain, c'était le 14 février dernier, c'était en Égypte justement, le séisme sanitaire tant redouté par de nombreux responsables ne s'est, il faut le dire encore, à ce jour, pas encore produit. Écoutez, Steve, dans toute guerre, qu'elle soit conventionnelle ou asymétrique, il y a une autre guerre en arrière-plan, il s'agit de la guerre psychologique. Et puisque nous sommes dans une guerre bactériologique, il fallait donc que l'OMS en rajoute à cette guerre bactériologique. La guerre psychologique. La guerre psychologique. C'était ça, c'est ça l'objectif. Faire le tour des médias hexagonaux ou bien occidentaux, c'est COVID-19. COVID-19, du matin au soir, de lundi à vendredi, tout ça, c'est de lundi à dimanche pour moi, c'est COVID-19. Parce qu'il fallait justement qu'il y ait un impact psychologique. Oh, c'est ce qui, peut-être, je pense que les Africains, plus généralement, se sont adaptés, ayant été habitués justement à des situations. À plusieurs crises, il faut le dire. À plusieurs situations de cette envergure. Oui. D'abord la guerre. Les conflits, les coups d'État, le sida, le VIH-sida, le paludisme, la typhoïde, tout ce que vous pouvez, la famine, tout ça. Donc, je pense qu'ils ont, tout à l'heure, comme l'indiquait Eric Pepin-Bikay, on a organisé non seulement la résilience, mais surtout une sorte d'immunité par rapport à tout cela. La deuxième chose que je pourrais peut-être mettre sur la table,
ça concerne ce projet de vaccination, de test de vaccination qui était annoncé. Qui risquerait également de commencer du côté de la France ce matin. Non, ils sont libres d'après de commencer là-bas. Qui nous viennent. C'est eux qui nous ont amené le Covid. Ils sont libres de commencer là où ils veulent chez eux, mais pas sur le continent africain. Donc, je pense que c'est par rapport à ce projet du vaccin, de ces cliniques sur du vaccin BCG dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, qui leur a fait croire également que peut-être ça va se passer comme ça s'est passé avec le virus à Ebola ou le VIH, avec des tests qui étaient, on ne peut plus frauduleux. La troisième chose que je voudrais également mettre sur la table, tout à l'heure également, M. Ndom l'a évoqué, ils ont mis en relief le fait que nous ne disposions pas d'un système de santé adéquat pour la prise en charge, n'est pas des cas de Covid-19. Donc malheureusement, c'est resté des effets d'annonces. Vous avez constaté que quelques semaines après, lorsqu'on nous parlait de la lutte contre le paludisme, on a également annoncé des chiffres apocalyptiques sur le continent africain, comme si déjà nous ne vivions pas au quotidien, n'est-ce pas, les effets pervers du paludisme. Je pense que chacun d'entre nous, dans son enfance, a pris soit la quinine, soit la nivacaine et tout ce que vous voulez. Il fut un temps également, il y avait le Kinemax qui avait d'ailleurs tué pas mal de donc monde. Je pense que également, il transformait justement des personnes. Absolument. Moi, je me rappelle que. Les rendait infirmes. Absolument. Boiteux, moi, je me rappelle lorsque j'étais encore dans le primaire, chaque matin, chaque lundi matin, on nous donnait un comprimé de quinine ou de nivacaine. Donc, je pense que cela a quand même contribué. Non seulement l'environnement dans lequel nous vivons, comme l'ont indiqué les précédents orateurs, mais également le fait que nous avons adopté certaines habitudes. Ce que j'ai observé et qui me semble avantageux, c'est que de plus en plus, les Africains, les Camerounais ont appris, n'est-ce pas, à s'approprier les bonnes pratiques d'hygiène. Parce que nous qui avons l'habitude de manger avec des doigts, là, c'est très compliqué. Et surtout dans un même plat, c'est encore très compliqué. Donc je pense qu'il s'agit comme d'habitude. C'était une guerre psychologique que les gars voulaient nous imposer et malheureusement c'est pas passé. Et je crois également que je sors par là pour une fois les Africains, je parle des chercheurs africains, ont été un peu plus actifs, notamment les chercheurs de la thérapie, de la pharmacopée traditionnelle autant pour moi. Parce que on a d'ailleurs dans ce studio, dans un instant on va la voir et j'espère qu'il sera sur ce plateau avec nous tous pour en parler justement de son produit. Ils ont été très proactifs. Même si pour la plupart, leurs recherches ne sont pas encore agréées ou reconnues par le gouvernement. Je crois que ça va, pour une fois, il y aura peut-être une rupture. Ça, je l'espère. Et je pense que, de mon point de vue, comme j'ai l'habitude de l'indiquer, le Covid-19 devrait être, à mon sens, une occasion pour les gouvernements africains de pouvoir, une fois de plus, investir dans la recherche. D'investir dans la santé, parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup investissent dans les caisses rutilantes, ils investissent dans l'économie du béton, mais ils n'investissent pas dans le système de santé. Je suis fier de savoir que pendant cette période, n'est-ce pas, de pandémie, aucun dirigeant africain en dehors de l'Ivoirien qui a pris un vol spécial n'est pas allé en Europe se faire soigner. Donc je pense que pour une fois ils vont pouvoir. Gold Coulibaly, ce n'est pas le Covid-19 pour l'instant. Je pense qu'il a été testé positif. Il a une attaque cardiaque. Il semble qu'il a été testé positif. Vous savez, c'est tout le monde aujourd'hui. C'est une attaque cardiaque. Je vous donne l'information. Dans tous les cas, si c'est une attaque cardiaque, autant pour moi, cela suppose que s'il y avait un système de santé plus approprié en Côte d'Ivoire, on n'aurait pas besoin de l'évacuer. Justement, on n'aurait pas eu besoin de l'évacuer. Il faut également préciser par ailleurs, en venant sur cette information, Albert Anatole ici, que sur la toile, plusieurs Français se sont levés pour dire non, justement, à son rapatriement, en tout cas du côté de la France. Je vais me tourner également vers Patient Parfendome. Ben, sur le continent africain, on va également de découvertes. On a commencé avec Valentin Agom, Jérôme Mouyangui, Monseigneur Cléda, Eloge Nyanini, et sans oublier Aminou Mohamedou qui est également sur notre studio, dans ce studio ce matin. Ils nous disent clairement qu'ils ont découvert le remède contre le Covid-19. Là encore, c'est un apport. D'abord, je pense que c'est une très bonne chose qu'il y ait ce foisonnement d'initiatives scientifiques. Il ne faut pas avoir peur de mots, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Mais il faut d'abord commencer à adresser les lauriers sur la tête du président malgache. Parce qu'en fait, ce qu'il a fait, il a donné un violent coup de pied à la fourmilière
Et il a déchiré le voile. Ce complexe que les Africains avaient, chaque fois qu'on était face à une difficulté, de penser que la solution ne pouvait venir que de l'Occident. En fait, l'acte du président malgache donne la possibilité, ouvre grandement les portes aux différents chercheurs qui existaient et qui existent même, d'être décomplexés. De dire, mais non, nous avons la solution. Peut-être qu'elle n'est pas parfaite, mais la voici, puisque elle sauve des vies. On l'a expérimenté, on a vu qu'il n'y a plus de gens qui décèdent. Maintenant, il faut qu'il y ait une meilleure organisation de nos États pour encadrer justement ces experts qui font dans la pharmacopée traditionnelle, les naturopathes, etc., etc., etc. Il faut bien les encadrer pour que justement, parce que c'est aussi le danger qui guette souvent. On dit que toute crise produit souvent une opportunité, que des charlatans, je pèse bien mes mots, que les charlatans n'investissent ce secteur et vendent je ne sais pas, de n'importe quoi, n'est-ce pas, aux populations. On l'a vu avec le VIH-Sida, on l'a vu avec d'autres maladies. Mm-hmm. Des gens je ne sais pas, la morale a disparu vraiment chez l'être humain. Il y avait d'ailleurs sur ce plateau quelqu'un qui voulait savoir qu'à la place de soigner la faiblesse sexuelle, et sans oublier... Ils soignaient tout pratiquement, ils soignaient toutes les maladies, mais au finish, on se rendait compte que c'était des charlatans. Donc j'espère que ceux qui sont vraiment des gens conscients et conséquents, le moment est venu pour nos différents gouvernements, surtout les ministères de la Santé, d'organiser des départements qui leur sont dédiés, mais où ils peuvent venir produire, n'est-ce pas, le fruit de leurs recherches, et que l'homologation en termes de protocole et tout ça soit vraiment d'ordre scientifique, de telle manière que c'est possible. Nous avons enquêté justement sur ce sujet, patient parfum d'homme, et certains nous ont fait savoir que jusqu'au ministère de la Santé publique, ce n'est pas, on ne leur accorde pas beaucoup de crédit. Mais c'est ça. Parce que quelque part, ils sont en train de détruire le business même des industries pharmaceutiques. Mais tant pis, c'est enfin l'Afrique qui va se prendre la main. Cela ne signifie pas que l'Afrique doit croiser les bras, ne pas aller continuer l'étude, la domestication de la science conventionnelle, si on peut l'appeler ainsi, sur le plan médical. Oui. Il faut continuer d'envoyer nos enfants à l'école, qu'ils étudient la science, qu'on ait de très grands chirurgiens, que Amadou Gon Coulibaly n'ait plus se faire une transplantation. Pourquoi ne pas créer justement une école, une université justement de la pharmacopée africaine pour apprendre aux Africains? Il faut complètement restructurer l'école en Afrique. Complètement de bout en bout. Oui. Dès le primaire, il faut tout restructurer. Tout restructurer parce que l'école que nous avons eue là, c'est l'école de clercs. Enfin, c'est pour qu'un patron vous donne les ordres et que c'est vous soyez capable de les reproduire, c'est tout. Il faut une école de développement. Et cette école de développement ne peut pas mettre de côté justement ce pas important, n'est-ce pas, du point de vue de la santé, que constitue la pharmacopée et traditionnelle africaine. Mais quand on voit quand même à quel rythme nos forêts sont détruites, ces forêts qui sont un excellent réservoir de biodiversité, mais surtout de possibilités d'avoir des choses qui vont nous permettre d'être transformés. C'est ça. Je vous parle par exemple du cancer, par exemple de Cuba. Oui. La première découverte du grand vaccin cubain contre un cancer, je ne sais pas, du col l'utérus, c'est une grenouille qui ne vit que dans la forêt tropicale. Et cette petite grenouille, la toute petite qui a deux ou trois couleurs, le bleu, le jaune, je ne sais pas quoi, on a constaté que sur son dos, sur sa peau, quoi, on peut prélever un liquide et qu'on pouvait transformer très rapidement en principe actif et que ce liquide-là soignait évidemment le cancer. Quand on aurait détruit toutes nos forêts, on va les prendre. La Côte d'Ivoire, parlons d'elle, en moins de 50 ans, a détruit 90% de sa forêt. Le cacao. Donc il faut qu'on fasse attention. Donc, j'ai l'habitude de vous dire que si on veut avoir le même chemin de développement que l'Occident a connu, ça veut dire qu'on court à notre perte. Ce qui fait notre richesse, on va tout brader, on va tout vendager. Et puis, les chercheurs comme notre ami qui va nous rejoindre tout à l'heure n'auront plus l'opportunité d'aller dans ce réservoir puiser les éléments qui vont leur permettre justement d'avoir des solutions pour tout ce qui nous arrive. Et j'ai dit, le coronavirus, ce n'est que la première secousse, je suis convaincu. D'autres secousses vont arriver. Donc, il est plus urgent aujourd'hui que nos décideurs, nos chefs d'État, nos gouvernements et s'intéresse à cette recherche à la fois traditionnelle, fondamentale, mais aussi donner des moyens à tous les instituts de recherche, ou s'il n'y en a pas, les créer pour que les scientifiques africains eux-mêmes soient en capacité de produire des vaccins sans qu'on continue de nous imposer des vaccins dont nous n'avons pas la capacité de contrôler l'efficacité sur la maladie soi-disant qu'elle vient soigner.
Il nous a rejoint également sur ce, dans ce studio, en tout cas ce matin. Il s'appelle Dalvaris Goudjou. Bonjour et bienvenue à vous, Dalvaris. Bonjour Steve, bonjour Patient Parfait, bonjour aux autres copanélistes qui sont sur le plateau. Merci de m'avoir invité. Oui, merci également d'être là ce matin. Nous savons que vous êtes souvent très occupé, vous êtes un patron. C'est normal également que vous arriviez un peu en retard. Vous nous trouvez justement dans le vif du sujet. On parle du continent africain qui ne compte que 1,4% des cas du Covid-19. Cela explique notamment sa faible insertion dans les réseaux internationaux et parle à sa jeunesse, et surtout la jeunesse, sa population. Écrit d'ailleurs le quotidien Le Monde. Avait écrit le quotidien Le Monde, c'était le 5 mai dernier. Qu'est-ce qui fait en sorte que l'Afrique aujourd'hui résiste justement au Covid-19? À mon avis, Steve, il y a des facteurs qui aident l'Afrique face au Covid-19. Un facteur extrêmement important, c'est sa jeunesse, d'autant plus que, comme on l'avait si bien dit, une bonne partie de la population qui est extrêmement vulnérable au Covid-19, c'est la tranche de la population plus ou moins senior, donc relativement âgée, et dont les systèmes immunitaires sont relativement faibles. Sur le continent africain, c'est une bénédiction pour nous. Nous avons une population qui est extrêmement jeune, parfois un peu au-delà de 70% de la population. On est autour de 19 à 25 ans, c'est extrêmement important. Et au-delà de cela, je pense que le contexte aussi africain, puisqu'il faut comprendre que le Covid-19, en réalité, la plupart des thérapies qui sont proposées pour le Covid-19 sont les thérapies qui ont un lien plus ou moins étroit avec les antipaludiques. Ça veut dire que les médicaments que l'on utilise pour soigner le Covid-19, plus ou moins, que ce soit la solution du doctorat ou que ce soit les différentes solutions qui sont proposées ici, le Covid organique du président malgache et bien d'autres choses, il y a toujours un lien plus ou moins avec les antipaludiques. Or, sur le continent africain, depuis au moins 60 à 70 ans, nous consommons les antipaludiques. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une zone où nous sommes soumis au paludisme. Et on peut dire par chance, pendant longtemps, les gens n'ont pas pris le paludisme au sérieux, d'autant plus qu'ils n'étaient pas extrêmement frappés par cela. Donc, ils n'ont pas poussé les recherches dans cela. Mais sur le continent africain, étant donné que nous étions toujours soumis à cela, on prend les antipaludismes. C'est-à-dire que nous sommes prédisposés, à mon avis, et au niveau des organismes, pour la plupart des cas, à pouvoir à résister facilement à la maladie. Et c'est vrai qu'à côté de cela, quand même, les Africains, dans un contexte où, dans beaucoup de pays sur le continent africain, les États prennent très mal soin de la population sur le plan sanitaire. Généralement, les populations s'organisent par elles-mêmes. Ça, c'est extrêmement différent de l'autre côté. De l'autre côté, généralement, on attend plus ou moins tout de l'État. Je parlais avec une amie qui a eu le Covid à Paris. Elle a un petit problème. Elle attend de passer un coup de fil. Elle attend que l'ambulance vienne. Elle attend que l'État fait tout. Alors que généralement chez nous, si vous attendez tout cela dans beaucoup de cas, vous êtes sûr que vous allez terminer dans un cercueil. Il y a la maman qui se bat déjà de côté avec du citron, tel qui se bat de côté avec la ginger, le ginger, avec des gargarisations, etc. Et quand on implémente toutes ces solutions-là, généralement cela permet de trouver un résultat. Donc à mon avis, ça c'est quelques facteurs qui ont participé à ce que le Covid n'ait pas un impact extrêmement considérable sur le continent africain. Tout cela au grand désagrément des gens de l'autre côté, puisqu'ils voient le continent africain comme un grand marché potentiel de 3 milliards d'habitants, puisqu'il faut bien comprendre qu'au-delà de la population adulte qu'on estime un peu plus d'un milliard, presque 2 milliards, il y a la population jeune, notamment les enfants. C'est pourquoi vous voyez, beaucoup disent qu'il fallait commencer à vacciner les enfants. C'est un très grand marché, c'est beaucoup de milliards, c'est beaucoup d'argent, et ils voient ça comme beaucoup d'argent pour eux. Et même aujourd'hui, quand ils le voient, c'est même pourquoi dans beaucoup de cas, ils continuent de dissuader les gens, de décourager les gens par rapport aux solutions sur le continent africain. Même le monde que vous citez, en fait, ils ne font allusion à cela que parce qu'il y a eu vraiment des agréments. Puisque justement, si on a écouté que ce soit le secrétaire général de l'OMS, que ce soit M. Guterres, le RG des Nations Unies, on peut citer qu'il y aurait des millions de morts sur le continent africain. D'ailleurs, il faut le dire que Antonio Guterres nous a prédit des millions de morts, une hécatombe même sur le continent africain. Sur le continent africain. Mais curieusement, on a vu les milliers de morts, c'est la première puissance mondiale. Ah oui, 75 000 morts. 75 000 morts du côté des contaminés. Des États-Unis. Exact. Voilà. Et les puissances occidentales, notamment le Royaume-Uni, plus de 30 000 morts. La France, l'Espagne, etc. Donc, les milliers de morts, les dizaines de milliers sur de morts. Sur les 54 pays africains, il n'y a que 2239 morts, selon le décompte d'hier, dimanche 10 mai. Ben, je vais me retourner toujours vers vous, Dalvaris Goudjou. N'est-ce pas également que depuis que le Covid-19 est arrivé sur le continent africain, c'est le 14 février dernier, les Africains sont entrés justement à la source qui est tout simplement la forêt.
Oui, je pense. Hein, je pense, et cela, c'est très important de le souligner. Tout comme Patient le disait tout à l'heure, nous avons commis des erreurs monumentales. Quand on prend les grandes solutions proposées, les solutions qui ont été proposées par les Chinois, les solutions principales implémentées par les Chinois, ce sont les solutions qui sont plus ou moins proches de celles que le docteur Raoule appliquait, c'est-à-dire la chloroquine. À la base, maintenant, qu'est-ce que la chloroquine? La chloroquine n'est qu'une variable de synthèse de la quinine. Or, la quinine, on ne trouve que sur le continent africain ou du moins dans les états tropicaux. En d'autres termes, je prends un exemple du Cameroun. Tout le monde sait que avant les indépendances, au Cameroun, par exemple, il y avait plus de 500 hectares de plantations de quinine. Oui, à l'ouest du Cameroun. Curieusement, on a tout détruit cela jusqu'à aujourd'hui. On a tout négligé cela. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui... On a brûlé d'ailleurs ces champs il y a encore quelques jours, il faut le préciser. Oui, et ce que je disais, c'est que... Par un préfet. Oui, c'était à Baganté, l'Artémisia. Oui, oui. Bon, pour la quinine que je disais, je crois que c'est pas loin de Tchang. C'est une partie de cette plantation est occupée aujourd'hui par la FASA, les sciences économiques, la faculté des sciences économiques de l'UEC de Tchang, pour faire de l'expérimentation. Pendant longtemps... Les sciences agricoles. Oui, merci. Et pendant longtemps, nous avons des plantations... Des centaines d'hectares, on a détruit tout cela. Pourquoi? Pour utiliser la photocopie, puisqu'en fait, la chloroquine n'est que la photocopie de la quinine. C'est une variable de synthèse. On a créé ça au laboratoire, puisqu'on ne pouvait pas produire tout naturellement. Nous avons ça chez nous. En d'autres termes, nous sommes en train d'essayer de rentrer aux sources de quelque chose que nous avions déjà. Et justement, c'est très important de regarder que la plupart des... Même chez nous, ça se passe. Il m'arrive quelque part d'aller ici dans le sud où j'ai quelques plantations. Mais vous voyez, curieusement, vous allez dans une plantation, vous voyez des blancs là. Ils vous disent qu'ils font des recherches. À votre avis, pourquoi quittent-ils San Francisco pour venir faire des recherches chez nous? Pourquoi quittent-ils, je sais pas quoi, New York pour venir faire des recherches? C'est parce qu'il y a des choses importantes dans nos forêts. Mais nous, on les coupe. Je veux dire, on détruit sans savoir. Parce qu'il n'y a pas fait de là, d'ailleurs, souligné. Hein, on vend notre forêt comme si c'était justement le pain qu'on donnait aux enfants le matin. Ce qui est vraiment une chose très curieuse. On l'a vu samedi dernier du côté de Piti quand nous rentrions. Eh bien, c'était du bois. À n'en pas finir. Justement, le bois que l'on utilise... On comprend pourquoi vous n'aimez pas les Chinois, ne vous inquiétez pas. Pas seulement les Chinois, même nous-mêmes, nous avons une responsabilité. Quand nous allons dans les forêts, généralement, dans la plupart des cas, qui vend les forêts aux Chinois? L'un des rares pays au monde, moi j'étais très surpris, très étonné de découvrir c'est le Cameroun, mais les gens vendent quand même 100 000 hectares de thé aux Chinois en Afrique. Quand nos mamans manquent au cultiver, vous savez qu'en Chine on ne vend pas la terre. Vous savez, en Chine, un étranger ne peut pas avoir la terre. Quel que soit ce que vous faites, même si vous avez des milliards, l'État chinois vous loue les terres. Vous faites ce que vous avez fait. Après, tout votre investissement revient à l'État chinois, à moins que vous acceptez encore de relouer les terres. Dans notre pays, non seulement on a très très de grandes difficultés. Essayez d'avoir un open été au Cameroun. Vous verrez que c'est assez facile. Mais pour un Chinois, on lui vend des milliers avec tous les droits là-dessus. C'est-à-dire, ils ont les droits sur la terre, ils ont les droits avec ce qui est en dessous de la terre. Et moi, j'étais extrêmement étonné il y a de cela quelques mois. J'étais à l'Est. Mais des pygmées bakas, ils n'ont même plus le droit d'être dans la forêt de leurs ancêtres. On les demande de déguerpir la forêt, qui est le lieu d'habitation. Mais ce n'est qu'au Cameroun qu'on peut voir cela. Cela ne peut pas exister ailleurs. Quand un étranger vient, il vous dit bonjour, il vous dit, il faut savoir que dorénavant vous êtes chez moi. Il faudrait que vous quittiez chez moi. Mais vous dites, mais depuis des siècles que je suis ici, je vais aller où? Et cela, au vu et au sud de l'autorité. Moi, j'étais extrêmement surpris. Donc, je crois qu'ils vendaient l'hectare ou le mètre carré à 500 francs. Moins d'un dollar. Ça, c'est très grave d'ailleurs. Hein. C'est très grave. C'est justement ce qui se passe sur le triangle national camerounais. Et c'est vraiment, il faut le dire... honteux, à la limite, il faut le dire. Albert Anatola ici, malgré que l'Afrique résiste, on doit rester prudent. Patient Parfait, on me disait encore ici, jeudi dernier, qu'il faudrait que nos remèdes, pour ne pas dire, il faut le dire, hein, que ce que nous buvons aujourd'hui pour combattre le Covid-19 devienne pour nous comme du thé chez les Chinois. Je voudrais rebondir un peu pour faire une légère digression par rapport à ce que le grand fait dont on parlait tout à l'heure, parlant de la recherche au niveau de la pharmacopée africaine. Oui. Je crois qu'il y a une filière au niveau de l'université de Douala, la filière de recherche en biomédical. Mais il faut plus que cela. Il faut plus qu'une filière de recherche en biomédecine, si vous voulez. Il y a un Camerounais qui a créé une école spécifiquement pour la pharmacopée. Il est dans ce studio. On va lui poser d'ailleurs les questions tout à l'heure. Deuxième chose, il faudra exhumer la fameuse loi cadre portant sur la recherche de la pharmacopée traditionnelle qui est encore dans les tiroirs. Parce qu'on attend toujours le décret d'application de cette loi cadre-là.
Maintenant, pour revenir à votre question, je pense qu'il est fondamental, puisque j'ai eu à le dire dans le cadre de cette tribune, qu'il y a un prêtre d'origine française qui a été curé dans la paroisse de l'église catholique de Bramoussadi. On l'appelait Éric de Rosny, qui a fait des recherches sur la pharmacopée traditionnelle. Qui a écrit un livre extraordinaire d'ailleurs, avec les yeux de ma chèvre. Voilà, c'est-à-dire qu'il a fait tout un livre. Et dans ce livre, il a les noms de toutes les essences. Bon, alors, si c'est un blanc qui prend l'avion, qui vient au Cameroun, fait des recherches, c'est-à-dire parcourt tout le territoire camerounais, pour répertorier les plantes médicinales, ça veut dire qu'il y a un problème. Et que dans le contexte camerounais, nous avons fermé la boutique qui fabriquait la chloroquine. Il a fallu l'exhumer tout récemment. Il a fallu fermer les instituts de recherche, notamment l'IRAD, entre autres. Mais je pense que là, ça veut dire que nous avons un problème au niveau de la politique de recherche fondamentale et appliquée. Je pense que lorsque vous avez des objectifs d'émergence économique, vous ne pouvez les atteindre qu'avec une population qui est en très bonne santé, avec un système de santé bien approprié, bien aiguisé. Et là, il faut mettre à contribution les intelligences locales. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique, le monde est demain, ce sont les intelligences. Et vous ne pouvez pas compter sur l'Europe, la Russie, la Chine. Nous avons évoqué ça tout à l'heure. Quand ils viennent sur le continent africain, ils sont des représentants de leurs comptoirs commerciaux. Nous avons vu tout récemment à Piti, vous voyez la forêt, comment on utilise la forêt africaine. On découpe d'ailleurs, on découpe le bois. En totale violation, et ceci avec la complicité de nos gouvernants, de la loi cadre portant exploitation forestière, qui exige que l'exploitant doit pouvoir reboiser. Aller dans les domaines, dans les assiettes environnementales, est-ce que cette forêt qui est détruite est reboisée du tout? Donc je pense qu'il faut donc que l'État donne les moyens appropriés, notamment non seulement à la recherche conventionnelle, mais surtout à la pharmacopée africaine, parce qu'il y a aussi des choses intéressantes de ce côté-là. Ce qui vient de Madagascar, ça vient d'où? Il s'agit d'une pharmacopée traditionnelle au départ, et ensuite qu'on a améliorée, qui a été améliorée, et l'État malgache a dû consentir d'énormes investissements là-dessus. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut justement que, pas seulement au Cameroun, parce que nous sommes dans une télévision qui a vocation de chaîne panafricaine, il faut donc que les gouvernements africains mettent de l'argent dans la recherche fondamentale, dans la recherche appliquée, et surtout qu'ils investissent dans nos systèmes de santé, qu'ils cessent de vendre les forêts. Absolument. Ouais, il faut qu'ils cessent de vendre les forêts. Enfin, il faut également le dire, il ne faut pas avoir peur de le dire. Éric Pépin-Bikaï, jusqu'à preuve de contraire, on parle de l'Afrique comme étant le continent qui résiste, comme étant le continent jusqu'à preuve de contraire qui a une meilleure jeunesse. Et d'ailleurs, Dabrès Goudou nous fait savoir que c'est 70%, il faut le dire, de la population africaine qui est jeune. Et à un moment donné, on nous faisait savoir qu'il y avait des vaccins qui devaient arriver sur le continent africain. Que peut-on faire aujourd'hui quand on sait pertinemment qu'on est toujours en danger? Il faut justement que les Africains se réveillent. On a dit tout à l'heure que pour le moment, on ne peut pas se réjouir du fait que... On résiste. Mais il faut être très prudent cette fois-ci encore. Très, très prudent. Parce que si les pics de contamination atteignent un certain seuil, il est fort probable que les prédispositions alors... Les prophéties d'un certain nombre d'autorités mondiales, comme le secrétaire général des Nations Unies, voilà, puissent être réelles. Donc il faut que nous soyons toujours sur notre défensive. À côté de ça, il ne faut pas que nous baissons la garde. Et ne croyons pas que c'est la seule maladie qui a pignon sur eux en Afrique. Il y a le paludisme qui n'est même pas encore sorti. Il y a le cancer, il y a l'hépatite, il y a le virus du sida qui continue toujours à avoir une bonne progression sur le continent africain. Mais quel qu'en soit le cas, l'environnement voudrait qu'on ait une nouvelle expression qui sorte de la bouche de tout le monde, le Covid-19. Et il faudrait qu'on consacre toutes nos énergies pour pouvoir essayer de juguler cette maladie. La première difficulté auxquelles les Africains ont été confrontés, c'est de comprendre ce que était cette maladie. Ça a été très long. Je pense que c'est encore très long maintenant, parce que jusqu'à présent, dans les chaumières, ça reste encore très stéréotypé de pouvoir comprendre les mécanismes de déploiement de cette maladie. Tout à l'heure, Dalvarez le disait, c'est une maladie qui s'appuie prioritairement, qui a pour premier symptôme le paludisme. Mais un autre côté qui nous échappe, c'est que ça attaque les poumons. Et on sait le rôle des poumons dans le fonctionnement de l'anatomie humaine. C'est-à-dire ce rôle de battement par rapport à la respiration. Donc, si on ne peut pas avoir des ailes
qui fonctionne normalement, quel que soit le cas, on ne peut pas voler. Mmh. Donc, il faudrait donc que les pneumologues, justement, ils sont très sollicités dans le cadre de ces derniers temps, d'ailleurs, il faut qu'ils essaient aussi de nous apporter des thérapies pour faire en sorte que nos poumons puissent jouer ce rôle d'aile qui est concédé à l'intérieur. Pour ventiler justement l'organisme. L'organisme. Donc, il y a ça. Il y a le fait également que les gouvernements également n'ont pas pris à bras le corps les effets de cette maladie dès le départ. Dalvalet évoque un problème fondamental, c'est-à-dire la jeunesse. Parce qu'au départ, on a dit que c'est une maladie qui tue beaucoup plus les personnes de troisième âge. Et les premiers résultats des morts en Europe indiquaient justement une collaboration entre les dits et les effets sur le terrain. Mais curieusement, on a commencé à avoir les enfants de 5 ans qui décèdent de COVID-19 sur le territoire camerounais. On a eu même un enfant de 15 ans il y a 2 ou 4 jours. Donc ça veut dire que la maladie également peut être mutante en fonction des organismes et des contextes. Donc, vivement qu'il y ait une vigilance dans le cadre de la mise sur pied des mesures d'atténuation et de progression de la maladie. Mais vivement également que tous les mécanismes soient mis sur pied pour que la maladie... Parce que moi, j'insiste toujours sur les lieux de traitement de la maladie. On a comme l'impression qu'on veut tricher. Si nous voulons tricher, nous allons payer cash les mécanismes de notre tricherie. Et j'ai discuté l'autre jour avec un aîné qui me disait que en réalité, on a passé le temps à blaguer. Et là, on est face à une maladie où on veut les résultats. Oui. C'est-à-dire que les médecins qui jonglent de temps en temps n'ont plus le droit de jongler. Parce que les résultats, on doit les palper par rapport au recul de la maladie. Mais il y a également un certain nombre de mesures d'accompagnement qui font en sorte qu'on continue toujours à espérer que cette réponse peut être possible. Le corps médical, on l'a dit aujourd'hui, c'est eux qui sont en avant-garde par rapport à cette lutte. Il se trouve que, tel que les choses sont organisées présentement, ce corps n'est pas motivé pour pouvoir nous aider travailler, à avancer. Oui. Un exemple patent. Vous voyez, par exemple, lorsque quelqu'un doit s'occuper d'un malade COVID-19 avec le degré de contagion qui est chez lui pour le centre de traitement et qui est le centre de traitement pour rentrer chez lui, ça veut dire que son foyer devient déjà un centre de propagation de la maladie avec tout ce qui va avec. En réalité, si on avait poussé la réflexion plus loin, on devait réquisitionner un certain nombre d'hôtels qu'on devait transformer en lieu d'hébergement. Et c'était nombre d'espaces également, voilà, il ne faut pas l'oublier. D'hébergement du corps médical affecté à la lutte contre le COVID-19. Cela devait les éviter d'être en contact avec leur famille et faire en sorte que leur famille avec la population, leur famille soit protégée. Je sais qu'on se rend compte que la maladie est en train de progresser. Ce sont des petites mesures qui ne coûtent pas grand-chose. Actuellement, c'est implémenté par les pays tels que le Maroc. Ils ne sont pas sortis de l'auberge. Au moins, on a une méthodologie claire qui permet aux populations d'être rassurées. Le fait que le tonton est médecin, est affecté dans un train de traitement COVID-19. Quand il revient le soir, il ne peut pas s'abstenir de cette joie d'être papa, d'embrasser ses enfants. C'est impossible, même si psychologiquement, mais c'est impossible dans notre contexte à nous. Tu ne peux pas empêcher un enfant d'accourir devant toi pour dire papa, papa, papa. Donc il faudrait que le gouvernement protège le corps médical. Il faudrait que le gouvernement réquisitionne un certain nombre d'espaces, les aménage pour que nos médecins, quand ils partent de chez eux, ils puissent se reposer là. Ils peuvent avoir des visites, peut-être des échanges en vidéoconférence avec les familles, c'est possible. Ça ne coûte plus grand-chose. Il faudrait qu'il y ait des endroits spécifiques dédiés au traitement du COVID-19. Mais il faudrait également que ces endroits soient équipés. Parce qu'aujourd'hui, on parle seulement de traitement COVID-19, on ne sait pas combien ça coûte. On a dit qu'il ne faut pas seulement la chloroquine. Il faut un ensemble d'accessoires pour pouvoir guérir complètement les malades. Mais il faut également une communication accrue pour sortir de la communication de psychose imposée par les Occidentaux depuis le début de cette maladie. Et j'insiste allons-y rapidement, sur le degré de popularisation. Oui. Si la maladie progresse, parce que depuis plus de 5 semaines, nous sommes dans une phase de contamination communautaire. Donc, lorsqu'on déclare que nous sommes dans une phase de contamination communautaire, il faut avoir des mesures de nature à juguler cette contamination communautaire. Le déconfinement peut être un danger. Mais je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il ne faut pas arrêter de vivre. Il faut bien vivre parce qu'il y a d'autres maladies qui nous affectent et qui nous ont affectés longtemps avant l'arrivée du COVID-19, auxquelles nous également, on doit faire face Certains au quotidien. Disent également que nous avons été immunisés. Peut-être qu'on était en contact déjà avec le COVID-19, mais qu'aujourd'hui, on est justement immunisé. Patient Parfum, donc, pour sortir justement de ces débats, il faut également dire à nos téléspectateurs qu'il faut arrêter la négligence. Oui, il faut vraiment que les gens fassent très attention. Malgré tous
les éléments qui concourent à notre avantage par rapport à notre résistance pour ne pas succomber à cette maladie. Il faut quand même être très prudent. C'est une vérole qui tue. Et sur ce plateau, je crois que chacun de nous connaît déjà au moins une personne qui l'a connue. Qui est justement morte du Covid-19. Donc, cela veut dire qu'elle tue. Donc, souvent, il y a des gens qui ont des comportements extrêmement légers. On continue à bâcher sur les motos. Oui, on continue à bâcher en tout cas dans les voitures également, dans les taxis. Nous, au niveau très attention de l'Alliance patriotique, pour embrayer dans le souci de Pépin tout à l'heure, on a pondu une déclaration. Et nous avons pris un certain nombre, on a fait un certain nombre de propositions, justement pour essayer de protéger ces premiers de corvée qui vont à la tâche pour que au moins les familles soient protégées. Il y a certes le corps médical, mais il n'y a pas que. Il y a tous ces gens-là qui sont en contact de manière régulière avec les populations. On a pensé pour les prisons. Tous ceux qui sont dans l'administration pénitentiaire, surtout ceux qui sont en charge de la sécurisation, de la sécurité des prisonniers, il fallait qu'on les réserve des endroits à part, qu'ils soient coupés de leur famille pendant cette période. Les agents, par exemple, des NEO qui viennent nous donner des factures, il faut prendre des dispositions spéciales pour eux. De camboteurs spéciales pour eux. Tous ceux qui sont en contact de manière régulière avec des gens qui ne sont pas ni leurs collègues, ni leur famille, il fallait absolument les protéger. Et ça, ce ne sont pas les solutions qui manquaient, ce ne sont pas les espaces qui manquent. De la preuve, on commence à les trouver aujourd'hui. Mais surtout, il faut lourdement insister sur le fait que la pharmacopée traditionnelle à elle seule ne va pas nous permettre sauver, de sortir. Oui. D'où l'insistance que nous faisons sur ce plateau pour qu'on essaye de donner des moyens à la recherche fondamentale. Il faut que nous domptions la science. On a vu qu'avec le Covid-19, il y a toute une panoplie d'autres maladies qui sont obligées de venir se greffer à cette maladie. Les problèmes des reins se posent pour certains. Certains chercheurs estiment même déjà que c'est une MST, puisqu'on a trouvé les traces de coronavirus dans les spermes, n'est-ce pas, des patients, etc. etc. Donc, c'est un truc global. Donc, il faut qu'on soit, on soit à même d'apporter des réponses par rapport à toutes les autres maladies qui sont tout autour. Mais oui. Pour cela, il faut qu'on ait une bonne formation à la base. Il faut qu'on mette l'argent à disposition des gens de recherche, n'est-ce pas, qualifiés et dédiés pour cela. Mais surtout, il faut que vraiment nos États arrêtent de faire ce qu'ils ont dû faire parce qu'ils ont pensé que l'Afrique n'était pas leur pays et se comportaient comme un territoire conquis. Là où le monde petit bobo, le gars était à Paris, à Washington, à la Salpêtrière, etc., etc. Le moment maintenant est arrivé. En tout cas, nous sommes tous que nous sommes tous ici. Nous sommes tous au village. Vous voyez, j'ai vu, je ne veux pas citer le nom de chef d'État, une fille d'un chef d'État africain, l'Afrique centrale, qui a déployé tout un jet privé, parce qu'il avait une entorse au niveau de la cheville. Mais ça a devenu fou. Vous vous demandez, mais ces gens-là, ils vivent où? Mais vous voyez que là, aujourd'hui, ça ne choisit pas. J'ai l'impression que ça choisit même les plus nantis. La jet set. Voilà, donc vraiment, vivement, que les gens se rendent et disent que cet environnement qui est le nôtre n'est pas un endroit où on vient piller, on s'en va. Mais on doit transformer cet environnement pour qu'il devienne un paradis. On peut le faire, on a le monde de le faire. Je sors par les forêts. Rapidement, il nous reste plus que 3 minutes pour que je donne la parole à une seconde sur les forêts. Alvaris, oui. Une seconde sur les forêts. D'abord, je remercie la communauté banane dont les élus se sont retrouvés au niveau du palais de Kakwa pour pondre ce communiqué qui dit au gouvernement que leurs forêts ne sont pas à vendre. Parce que souvent, vous voyagez par exemple dans certaines régions. Je peux prendre le cas de la Grande Sananga Maritime. Qu'en est-il justement les 65 000 hectares vendus justement? Non, ça ne sera pas vendu. Vous voyez ces espaces que vous croyez vides? Non, ces espaces ne sont pas vides. C'était des villages de gens. Mais pendant la guerre de libération, on a forcé ces gens qui habitaient dans ces villages à venir s'agglutiner au bord de la route. Conséquence, vous savez très bien ce qui s'est passé. Justement. La plupart de ces villages, comme ils n'ont pas été viabilisés, il n'y a pas de route, rien, elles sont restées en jachère comme ça. Mais les gens continuent d'y aller, d'entretenir un minimum d'activité, ne serait-ce que pour entretenir les tombes de leurs aïeux. Vous ne pouvez pas venir dire que comme cet espace-là est vide, donc c'est un no man's land qui appartient à personne, et vous signez un chèque en blanc comme ça, un individu qui va venir prendre tout cela, et qui ne va même pas respecter la juridiction locale. Qui ne sera pas applicable là-bas. Ce sont ses propres lois, souvent, qui sont applicables là-bas.
C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont leur police, ils ont leur gendarme, excusez-moi, ils peuvent t'arrêter là-bas, faire de toi ce qu'ils veulent, parce que, soi-disant, ils ont eu cette concession. Donc, il faut que vraiment ces gens fassent très attention. De toute façon, moi, je suis du côté de Mambé, comme on dit, j'attends ces gens-là qui vont venir toucher mon village, parce que ce sont mes terres que mes aïeux ont exploitées depuis des, voilà, des centaines d'années. Il est hors de question que les gens viennent nous dire que ces espaces-là sont à vendre. Ce sont les, c'est la seule richesse que nous avons, et nous allons nous battre de tout, vraiment, toute notre énergie pour les conserver. Juste une minute pour vous sur la question. Il faut dire que ces terres veulent être vendues aux Chinois. Il faut que nos 65 000 hectares, voilà, je pense que le sujet que va devoir nous intéresser énormément. Arrête de nous apporter la paysannerie chinoise en Afrique, notamment au Cameroun. Cette histoire commence à faire l'objet d'énormément de tensions au niveau social. Et ça va arriver à des pics où il y aura des affrontements entre les populations et les Chinois. Mais ces affrontements auront pour conséquence les dirigeants qui donnent des accréditations aux Chinois de s'installer en Afrique. De concession. Voilà. Les Chinois doivent rester en ville. Ils doivent rester en ville. Qui reste en Chine. Qu'ils arrêtent d'écumer les villages des gens. Parce que dans le cas contraire, moi je suis extrêmement fâché de retrouver les... En fait, j'ai pas de mots. Mais je ne veux plus voir les Chinois dans nos villages. Qu'ils restent en ville et faire leur petit commerce là-bas. C'est à la limite, c'est comme si les gars veulent nous recoloniser. On n'a que comme bien les terres. Si les gars viennent s'accaparer de nos terres sous prétexte qu'on n'a pas d'argent, qu'est-ce qu'on va devenir? On n'a plus rien. Si nos terres sont entre les mains des gens que... C'est terrible. Je manque même de mots. Mais il faut que ça s'arrête. Je dis, ça ne marche pas. Il faut bien lire. Il m'arrive de faire des affaires avec des Chinois. Oui. Il m'arrive d'aller en Chine. Lisez leur loi. Ce qu'ils font aujourd'hui, ils ne peuvent même pas. Vous savez, d'abord, dans la loi chinoise, ce n'est pas autorisé officiellement d'épouser un étranger. Vous avez trahi la race. C'est pourquoi vous verrez en Chine, il y a très peu de métis. Avec des Noirs, il n'y en a pas. Je crois jusqu'à l'année dernière, le Parti communiste chinois a proposé une loi au Parlement qui interdit explicitement aux femmes d'épouser des étrangers. Puisqu'ils veulent préserver leur race. Chez nous, mais est-ce qu'on peut tolérer cela? Vous ne pouvez pas avoir un champ en Chine. Vous pouvez même pas, même si vous avez 1 milliard, on ne vous vend rien. Est-ce que vous savez que de plus en plus en Chine, quand vous allez en Chine faire acheter de la marchandise, ils ont eu leur marchandise, je parle encore avec le consul, ils s'arrangent à ce que vous, Africains, quand vous allez importer, ils ne vous vendent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont envoyé les Chinois ici qui importent la marchandise. Et c'est pourquoi ils font le marché de détail chez nous, là. À quoi? Mais ça ne se fait pas en Chine. Est-ce que vous savez qu'au Sud, les Chinois cultivent du manioc, exportent chez eux. Ils exportent les feuilles de manioc, exportent les tubercules de manioc. Est-ce que vous savez que les Chinois cultivent du bon riz chez nous, qu'ils exportent chez eux, cultivent la pourriture chez eux, qu'ils envoient chez nous? Est-ce qu'on peut essayer d'implémenter ça? Les gars viennent prendre 65 000 hectares, mais c'est presque la taille des pays en Asie. Vous payez, quand on parle de Singapour, là, vous pensez que les îles ont quelle taille? Mais c'est des très petites îles. Hein. Quand vous voyez de la Malaisie, là, vous pensez que ce n'est pas des grands pays. C'est des pays où, quand vous voyez Hong Kong, Hong Kong, ça ne vaut pas la superficie des doigts là. Hein. C'est 325 000 kilomètres. Très bien. Quand vous voyez Hong Kong, ce n'est pas la superficie des doigts là. Hein. Donc, pour vous dire que les gars viennent acheter des pays chez nous et les gens restent à Yaoundé, ils les signent des pays, ils savent même. Le pire, c'est ça. C'est que les gars même qui signent les papiers à Yaoundé, ils ne savent même pas de quoi il est question. Les gars vendent un hectare à 500 francs. 500 francs, c'est pas sérieux. Mais c'est pas sérieux. 10 000 mètres carrés, 16 enfants, c'est moins une aberration. C'est pas sérieux. Je vais dire. Jules Dorin Dongo. Non, ils vont répondre. Nous devons être fiers. Ils sont là, ils vendent le sable. Ils prennent le sable à Sanaga, ils vendent le sable. Quand même, sois un peu sérieux. Et parfait, bien souligner cela. Est-ce que vous savez que dans les concessions qu'ils ont eues au Sud, si vous arrêtez de là, à l'intérieur, ils font de vous ce qu'ils ont. L'État n'a pas le droit officiellement d'y entrer, poser des questions. Ce n'est pas sérieux. Tu peux être chicoté. Messieurs, je vous comprends parfaitement. Albert Anatola, ici, votre mot de fin rapidement. C'est vous qui avez le mot de fin. Je crois que vous allez organiser un autre débat. Oui, on va organiser. Je pense que pour revenir à la thématique du jour, oui. La première chose, je voulais dire deux ou trois choses. La première, c'est soit d'importer les masques. Ne l'ont plus FMI. Parce que l'argent qu'on détourne peut nous permettre d'investir absolument dans la production des masques, des cache-nez. Ça, c'est important de le préciser. Et ça va créer des emplois. Oui, et à côté de ça, il faut être prudent. Je lisais ce matin, vous savez, au Canada, il y a eu des kits de tests qu'on envoie qui étaient contaminés. J'y arrive. C'est voilà. Très dangereux. En Tanzanie. Parce que nous sommes des états cargo. Ils vous envoient. On vous met pour vous tester. En fait, on vous contamine à l'instant. Le président Magufuli de la Tanzanie a été clair. Ils ont dit, quels sont ces trucs-là? Tout le monde qui passe par le texte, il est malade. Mmh. Alors, ils sont intelligents, ils se sont dit, imaginons quelque chose. Ils ont pris des papayes, des feuilles de papayer, ils ont pris des peaux de chèvre, ils les ont testées,
paf. Covid. Covid-19. Alors, ça pose la question des réponses endogènes. Il y a des tests contaminés. C'est pas sérieux. Messieurs, nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Il faut toujours rester plus dans Albert Anatola ici. Oui. Il faut donc qu'on produise localement nos cajunets qui répondent aux normes de qualité. Parce que aller prendre. On peut également faire des tests. Hein, on peut également fabriquer des tests. Non, il doit avoir un contrôle de qualité par rapport à la fiabilité de ces cajunets. C'est important. Nous avons l'inspectif local. Oui. La deuxième chose, nous avons tout le temps tapé sur le gouvernement. Il faut aussi taper sur nous-mêmes. Oui, parce que il faut qu'on reste, on respecte quand même les mesures barrières. C'est-à-dire, vous voyez, depuis qu'il y a eu les mesures d'assouplissement, ça va en vrille. Oh, on dit que le Covid-19 est terminé. Franchement, ça va en vrille. Les gens s'embrassent même. Et, non, sérieusement, je pense que là, nous sommes partis pour avoir une deuxième vague d'épidémiologie. Ça, c'est important. Donc, et la deuxième vague va faire plus mal. Troisième chose, et je chute par là, il est important que nous-mêmes, en tant que communicateurs, nous puissions sensibiliser aussi cela. Avec le langage le plus approprié. Lorsque je parle, nous, je parle des leaders d'opinion. Je suis parfait, un domaine concerné, les journalistes sont concernés, les hommes politiques sont concernés. Et surtout, il faut que le ministère de la Santé publique fasse une communication plus appropriée. Parce que jusqu'ici, j'ai l'habitude de parler ici de l'ISC, les formations, l'éducation et la communication, qui n'est pas encore vraiment appropriée. Et ça doit être approprié par les collectivités territoriales décentralisées qui, pour l'instant, ne font rien. Vous avez bien compris, vous qui êtes à la maison, il faut être prudent, il faut rester prudent, il faut continuer à respecter les mesures barrières. Lavez-vous régulièrement les mains, ayez toujours sur vous un cache-nez, faites toujours, il faut le dire, du sport et n'oubliez surtout pas de boire chaud. Et sans oublier bien sûr que nos médecins, surtout la pharmacopée africaine, vous avez pas mal de choses à la maison, continuez à les boire. Messieurs, je vous dis merci d'avoir été dans nous ce matin. Nous recevons justement sur ce plateau, il faut le dire ainsi, notre expert, il s'appelle Amidou Mouhamadou, il est justement celui qui a découvert le Covid de cure, hein, je le vois sur la table, Covid cure. J'espère que je ne me trompe pas. Bonjour Aminou Mouhamadou. Bonjour Monsieur Justine Ngos. Bonjour à tout votre téléspectateur. Merci en tout cas d'être sur notre plateau. Hein. Dans un instant, mesdames, messieurs, voici le regard de l'expert. Également resté sur ce plateau d'Alvaris Goudjou, reste et demeure toujours à ma droite, patient parfum d'homme reste ma gauche, et sans oublier bien sûr Amidou Mouhamadou, qui est également là justement, qui a découvert le Covid de cure. Ils sont d'ailleurs nombreux, je le précisais d'ailleurs à l'entame de cette édition au Cameroun. Il y a d'ailleurs, après Monseigneur Cléda, et bien sûr, il y a également le docteur Eloze Nyanini Fopou, qui a découvert également un nouveau médicament anti-Covid-19, neutralisant le virus en 12 heures. Cette fois-ci, nous avons également Amidou Mouhamadou, qui nous parle du Covid de cure qui soigne entièrement et totalement le Covid-19 et sans oublier les maladies virales. Mais je ne vais pas parler à sa place, il est là ce matin. C'est quoi le Covid cure? Merci beaucoup pour votre invitation et l'occasion qui m'a été donnée par DBS de pouvoir ainsi présenter au monde entier ce grand produit qui est le Covid cure, baptisé selon l'actualité, mais c'est un produit qui existait déjà dans notre laboratoire. Parce qu'il faut avouer que ce n'est pas aujourd'hui que nous nous sommes mis sur pied. J'ai 29 ans d'expérience en tant que tradit pâtissien. Et donc, j'officie auprès de mes pairs. Donc, le Covid cure, c'est une molécule qui renferme plus de 2000 principes actifs. Il y a le principe stimulant, il y a le principe antirétroviral, il y a le principe fongique, il y a le principe anti-infectieuse. Donc, ce produit qui permet de régénérer les cellules en un laps de temps et de permettre une meilleure respiration pour que l'homme qui souffre de Covid, parce qu'il est déjà connu que c'est le Covid-19 qui nous préoccupe le plus, mais le Covid en lui-même existait déjà depuis et nous on en a déjà eu à se frotter de ça parce que Dieu merci que dans nos laboratoires on reçoit tous les jours des personnes qui souffrent de pathologies dont on n'a pas toujours l'occasion de pouvoir exprimer sur des plateaux de télévision. Vu l'actualité et que le monde entier est focalisé sur la recherche des solutions, on ne pouvait rester dans cette front national de ne pas apporter notre contribution pour dire que voilà, une solution
qui est rapide et qui n'a pas des effets secondaires parce que c'est à base de plantes naturelles et qui a été testé par le laboratoire Jumbal qui m'a accompagné dans ce travail. Et donc, je voulais davantage continuer à avoir, à produire une grande quantité pour donner les uns et les autres de pouvoir profiter d'un produit qui est en même temps curatif et préventif. Ce n'est pas gratuit, en tout cas. Oui, j'aurais aimé que ça soit gratuit, mais vu le manque de soutien que je rencontre et que des âmes de bonne volonté qui viennent s'y investir justement, dans le projet, qui vous accompagnent dans voilà, le projet. Donc, ils sont forcément lucratifs, donc c'est à ce niveau. Mais c'est possible de démocratiser ça par des moyens que les uns et les autres peuvent nous mettre comme accompagnement. On va pas entrer dans le secret des dieux. Est-ce qu'on peut savoir justement quelle est la composition du Covid cure, même si on sait précisément que vous, les tradis thérapeutes, vous ne donnez pas toujours tous vos secrets. C'est pas la spécificité des tradis pâtissiers. En principe, faire de la recherche, ça a un coût. Voilà. Si quelqu'un veut avoir le monopole de ça, il n'a qu'à nous saisir. Nous avons des le moyens. Protocole. Le protocole est bel et bien déjà établi pour des personnes qui ont des difficultés d'ordre, difficultés d'ordre général, peut toujours en prendre en dehors de Covid-19. Donc c'est un produit révolutionnaire, miraculeux, parce qu'elle agit et elle agit vite. Même si le serpent vous mord, vous prenez ce produit, je peux vous en rassurer que vous n'avez pas, si vous ratez vos vaccins immédiats, vous allez vivre. Donc c'est un produit qui vient du septentrion, notamment de l'Amida de Bagno. Si vous voyez ces montagnes, oui, qui est tout juste derrière la maison de l'Amida de Bagno, donc c'est là où j'ai grandi et c'est là où j'ai été formé. Et Dieu merci que ceux qui m'accompagnent ont accepté d'immortaliser cela pour si demain. J'ai vu que ce n'est pas facile pour des chercheurs. Beaucoup de gens ont soin, mais n'ont pas mis un produit connu sur la table. Et c'est ça que moi je fais. Comme le président malgache, j'ai été heureux et il m'a même davantage inspiré parce que j'ai vu, en tant qu'un acteur politique, si lui, il a accepté, assumé les insultes, assumé ce regard péjoratif qui a toujours sous-entendu sur ceux qui ont eu la chance d'être formés par nos papas pour ne pas perdre l'intelligence ou bien la connaissance. Voilà, donc c'est ça. Il y a souvent que les praticiens, les tradithérapeutes nous font toujours savoir qu'ils ont des produits miracles qui soignent tout. On a l'impression que c'est une chanson déjà connue. Non, ça c'est quand je dis miracle, c'est dans le cadre de problèmes précis, notamment des infections. Oui. Voilà, parce qu'il y a plusieurs types d'infections qui menacent l'humanité, son existence. À ce titre, cette pandémie qui est celui de Covid-19, notamment coronavirus, nous connaissons des espaces ou bien des organes vitaux qui est attaqué, qui est celui du poumon et qui est celui justement la foie. C'est au niveau de la foie. Oui. Oui, si votre foie ne fonctionne pas bien, vous avez la fièvre. Et si vous avez la fièvre, vous ne pouvez pas être en santé. Vous pouvez aussi mourir. C'est à partir, si le poumon ne fonctionne pas bien, le cerveau aussi ne peut ni fonctionner. Donc il faut attaquer le mal à la racine. Et c'est tout seulement qui a orienté, vos recherches. Nos recherches. Alors, Goudjou, votre réaction ? Oui, d'abord, ma première réaction, c'est celle plutôt du journaliste. Je vais poser une question. Ça coûte combien ? La posologie, c'est quoi ? Ça s'utilise, ça soigne combien de temps ? Je m'excuse. Non, allez-y, c'est votre nom. Oui, je peux dire avec 10 000 francs, vous pouvez le vous soigner. Le bocal, un seul bocal ? Ceci ? Oui, le bocal de 250. C'est 10 000 ? Oui, c'est 10 000. Voilà. 10 000, 10 000 francs, ça fait presque 20 $. Oui. Un médicament ? Oui. Et il faut combien de bocaux pour soigner ? Non, si vous prenez pour 10 000, vous pouvez guérir. Vous pouvez vous aller ? Oui. Vous, j'ai dit à partir de 10 000 francs, pour un être adulte, c'est-à-dire pour des mineurs, par exemple, avec 10 000, on peut soigner même jusqu'à 5 personnes. Pour un adulte qui est atteint du Covid-19, il faut qu'il réserve au minimum 10 000 francs. Pour des enfants, dans le cadre de la prévention, on peut en prendre un peu et le dispatcher à nos enfants. Donc c'est préventif, c'est curatif. Curatif et voilà. Il a précisé d'ailleurs que c'est préventif et curatif. Maintenant, alors, la posologie, c'est quoi ? La posologie... La posologie, oui, allez-y, moi, ça va aller. Vous savez que pas. Je ne suis pas un homme de plateau. Okay. Merci déjà pour l'invitation. Donc, la posologie, oui. Voilà, c'est tout simple. Vous devez en prendre une cuillerette à soupe. Si vous ne maîtrisez pas une cuillerette à soupe, l'équivalent de 5 millilitres, vous pouvez en prendre le matin à jeun. C'est-à-dire, vous devez le prendre le matin à jeun. Avant, peut-être deux. Si après vous le prenez à 5 heures, j'encourage de prendre ça à 5 heures.
pour que ça travaille dans votre organisme jusqu'à 8 heures, vous pouvez manger parce que c'est un produit alimentaire. Donc, si vous prenez le produit immédiatement, vous mangez. Il ne va pas travailler. Voilà, ça ne doit pas donner le même résultat que celui qui jeûne avec ce produit à l'intérieur. Pour ceux même qui sont trop souffrants, on encourage de rester jusqu'à 12 heures sans manger. Là, maintenant, ça neutralise le virus. On n'a pas besoin des jours et tout. Là, maintenant, ça va, la température va baisser et vous allez retrouver votre santé. La dernière, on peut trouver ça où? Puisque je sais que les gens vont plus à Abidjan. Oui, Dakar, bon, nous sommes, je suis ici à Douala. Je suis ici à Douala pour le moment et j'entends chercher s'il y a des personnes à l'extérieur qui souhaitent nous représenter. Voilà, nous sommes ouvertes. Peut-être à la fin, je vais donner un contact pour des gens qui sollicitent de travailler avec moi. À Douala, je suis à Bonandjo et je suis aussi à la Cité SIC. Ok. Où à Bonandjo? Bon, c'est dans un bâtiment public de l'État. Non, on va pas entrer dans les détails. Pour ne pas encourager tous ceux qui souffrent du Covid et d'aller là-bas. Et que est-ce que votre produit a déjà sauvé la vie de plusieurs malades de Covid? Plusieurs personnes. Hein. Vous avez une liste de personnes qui avaient été traitées? Qui ont été traitées et qui ont été... Bon, on va garder l'identité de toutes ces personnes, il faut le préciser d'ailleurs. On ne peut pas, parce que vous savez, en matière de santé... Je ne sais pas si quelque part, on pourra le voir, vous voyez... Avec les contacts justement et les signatures. Voilà, donc c'est pour dire que le produit, si on nous accuse d'être tardi plasticien, n'est pas respecté le protocole scientifique, ça veut dire qu'on n'a rien compris. L'humanité est en train d'évoluer, nous aussi on suit l'actualité du monde. Donc on se arme, je peux vous dire derrière ce produit, j'ai beaucoup de médecins qui sont des enfants qui ont été soignés par moi avant d'aller devenir médecin et qui ont gardé des meilleurs rapports avec moi. Et donc je consulte à chaque fois que j'ai de l'expérience ou bien je vais expérimenter quelque chose, je demande leurs conseils. Parfois même ils ont peur parce qu'ils me disent « Oh, tu veux t'attaquer à un autre mal ?» Voilà, ils m'ont orienté comment travailler pour être en amont, en harmonie. Quand nous sommes sur le plateau, on espère que ce qui est exposé va rester avec nous. J'ai compris. Bon, je pense que vous m'avez pris j'ai mon cours. Équipe. Il faut bien qu'on teste aussi. Hein. D'accord. Qu'on teste pour qu'on sache quand même bon, tout ce qui est là. Bon, parce que mon équipe et moi, on va pas mourir. De toutes les façons, vous aurez quand même un peu. Passez un parfait nom. Votre réaction. D'abord, je tiens à féliciter notre ami, notre frère. Comme je l'ai dit, le voile, le président malgache a déchiré le voile. Oui. Il faut encourager tout ce foisonnement de propositions de solutions de ces différentes pandémies ou maladies qui nous frappent. Hein. Et il a dit quelque chose aussi de très important. Par exemple, tout à l'heure, Dabarès a parlé du prix qui semble exorbitant. Effectivement, le prix continue d'être exorbitant s'il n'est pas accompagné. Oui. Il faut quand même qu'il y ait des âmes de bonne volonté au lieu de gaspiller l'argent, aller à Bora Bora, je ne sais pas, en Polynésie, pour passer du temps avec une mère petite, mais d'investir dans la santé. Et ils peuvent l'accompagner. Et je pense que s'il a cet accompagnement, le prix de ce médicament ne serait plus à 10 000 francs. Il va chuter, peut-être même qu'il peut devenir gratuit. Alors, c'est bien beau. On écarquille les yeux quand ils montrent de belles voitures, des bêtes de faire la mer, je ne sais pas, le Bugatti Veyron, les tenues qui se font vers Versace ou bien Giorgio Armani. Mais c'est le moment qui s'organise. Moi, j'ai fait une proposition. J'ai dit, regardez ce que nous avons comme sportif dans le cadre du football, qu'ils fassent une association. Les musiciens de haut niveau qui fassent des associations. Les gens qui sont dans l'art, qui gagnent beaucoup d'argent. Oui. Le voleur à col blanc, au lieu d'aller à Kunengi, c'est le moment peut-être de sortir. Puisque la maladie les rattrape même. Oui, en association pour aider ces propositions. Nous ne perdons rien à essayer ces propositions qui sont offertes. Surtout que c'est naturel. Et puis vous voyez, nous avons des propositions venant du sud, mais là à Bagno et dans le nord, il y a des propositions. Ouais. Moi, j'ai reçu récemment, j'appelle ça le Juju Botré, mais à base d'un arbre qu'on voit seulement dans le Sahel, qui est aussi amer que le cormon, n'est-ce pas? Et qui soigne très bien le palu. Donc, il y a beaucoup de solutions, sans oublier l'huile de neem que moi j'utilise, je suis obligé de vous le dire. Donc, félicitations. Ouais, merci beaucoup. Continue dans cette recherche. Mais maintenant qu'il y a une meilleure organisation de la part de l'État, c'est seulement dans l'organisation que nous allons gagner. Pour que des produits qui nous sont proposés comme ça, qui est un centre agréé qui vérifie et qui peut suivre, montrer que tel a été a reçu l'administration de ce produit et quelques temps après,
la maladie a disparu, donc, ou bien la charge virale, comme vous dites, a baissé, donc il est guéri. Ça veut dire que, ok, pour tel type de pathologie, cette solution peut être une solution envisageable. Ouais. Donc, pour moi, je ne vais pas aller loin, dire félicitations, chef frère. Merci beaucoup de courage, n'est-ce pas, dans cette entreprise. Mais surtout, vous avez reçu gratuitement. Oui. Vraiment, vous donnez gratuitement également. Cela ne vous dit pas qu'il ne faut pas nourrir son homme, parce que bon, sinon... En tout cas, il faut préciser également à nos téléspectateurs qu'après le Monseigneur Cléda, et sans oublier bien sûr le docteur Eloz Nyanini Fopou, qui a découvert également un nouveau médicament anti-Covid-19 neutralisant le virus en 12 heures. On a également Amidou Mouamadou qui a découvert également son Covid-cure. Ils sont d'ailleurs très nombreux. On a d'ailleurs reçu vendredi dernier quelqu'un d'autre qui nous faisait savoir qu'il a soigné plusieurs autres personnes atteintes, il faut le dire comme ça, du Covid-19. Messieurs, c'est ici que va s'achever cette autre émission, il faut le dire, de DBS Matin. Davles Goudou, merci d'avoir été dans nous ce matin. C'est moi. J'espère tout simplement qu'on va se revoir. On va se revoir. sur ce plateau. Patient Parfait, donc merci également d'avoir été dans nous ce matin. Merci. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Amidou Mouamadou? Je voulais que ce projet puisse voir le jour parce que je suis en train de construire un hôpital. Justement, pendant intégré, on a oublié de parler de votre hôpital. Voilà, depuis 2014, j'ai acheté un terrain en PK19, notamment en Goma, où j'ai lancé un chantier qui devait avoir pour 32 chambres. Parce que j'ai compris que malgré nos doléances auprès de l'État, nous ne sommes pas accompagnés. C'est-à-dire, en tant qu'un acteur de la société, j'ai lancé les travaux qui sont arrêtés parce qu'il faut continuer avec des recherches aussi. J'aurais aimé cet hôpital intégré. La médecine traditionnelle et la médecine moderne doivent voir le jour pour que je pourrais venir consulter en toute liberté auprès de mes confrères médecins de la médecine moderne. Et pour ceux qui ont l'habitude avec notre thérapie, ils peuvent se reposer, ils peuvent avoir leurs soins et repartir en toute tranquillité dans leur famille. Donc j'aimerais que un jour que DBS vienne sur le terrain, voir les travaux que j'ai pu faire. On n'a pas de souci, hein. On pourra même venir aujourd'hui. Ne vous inquiétez surtout pas. Et que les âmes de bonne volonté accompagnent ce projet pour démocratiser ce produit. Okay. Voilà, pour que ça devienne. Pourquoi pas? Hier, par exemple, j'ai fait des dons à plus de 150 personnes que j'ai fait des dons de ce produit. Et avec l'accompagnement justement de certains laboratoires amis qui a voulu aider. Bon, maintenant, on ne peut aider que en fonction de nos modestes moyens. Voilà. Oui, mais c'est toujours une occasion d'appeler le ministre de la Santé. Santé publique, Manaoudou Malagi. Il a pris une note où il appelait les responsables de recherche de la santé sur le plan traditionnel. Il dit que voici une solution camerounaise. Je sais que la dernière fois, j'étais avec Monsieur Cléda, on lui a apporté un soutien la semaine dernière ici à Douala. Nous avons un Camerounais qui a mis en place une solution, une thérapie. C'est l'occasion aussi de lui envoyer des émissaires pour voir ce qu'il fait, pour voir comment le soutenir et lui apporter un soutien. Pour cela, il y a des lignes budgétaires. On ne peut pas laisser les solutions comme ça pour continuer à importer tout et les masques et tout. Alors et que tout ce qui va avec, alors que nous avons des solutions. Ne vous inquiétez pas, on en parlera en off tout à l'heure. Messieurs, je vous dis merci d'avoir été des nôtres ce matin. Cette émission a été dédiée justement à une de nos téléspectatrices qui est malade et qui est couchée actuellement à l'hôpital. Elle s'appelle Maouel Florence, et sans oublier bien sûr, Monsieur Yedna du côté Edna Hervé du côté de Niala. Mesdames, Messieurs, au plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition justement de DBS Matin. Restez sur notre chaîne, l'information est en continu. Au revoir.